Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Index, Google Podcasts, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Nous sommes partout. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Zami camarades, comment nous y est? Moi, content de retrouver nous à souhait encore, tant que chaque mercredi dans le SAA, dans la classe là, côté que n'a continué initiation à citoyenneté nous. Avant que nous allions plus loin, d'arrêter nous faisons signe si nous recevons moins bien. Donc, faisons un petit signe de la main et pour nous dire si nous tendons bien. Voilà, montrer mon pouce qui est en l'air ou bien écrit 5 sur 5 pour nous dire voilà. Ok, comment on dit, li bon, voilà. Nous content. Comment nous y est? M'espérer que nous passions une bonne semaine. M'espérer surtout que nous avons gardé calme nous devant toute, comment on va dire ça, toute propagande nous avons coûté à gauche, à droite, soit à fait guerre et surtout comment pour nous comprendre bagay si là. C'est ça que fait Jodia, nous. Maintenant, pour une classe là, il y a un historien qui s'est un puits d'érudition en matière d'histoire d'Haïti, en matière de histoire relations internationales Haïti. Et pour que nous capables font un retour en arrière, regarder comment Zanset Nouyo te kon géré affaires géopolitiques, comment yo te kon identifié intérêt pays yo dans conflit gagné dans grande puissance. Ainsi, nous pourrons parler de Toussaint Louverture avec invité classe là, et puis nous pourrons comprendre comment Toussaint Louverture te connaît tirer pingli du jeu entre l'Espagne, la France, les États-Unis et puis l'Angleterre, l'Empire britannique. Plus tard, on pourra regarder comment Christophe te connaît fait tout pour identifier intérêt pays entre la France d'une part et puis l'Empire britannique d'autre part. On n'a pas regardé avant Christophe Dessalines parce que empereur Ali même tout était gon politique étrangère, était gon politique internationale, comment elle était comprendre un jeu que n'ta varé les jodi yo, un jeu géopolitique. Puis on a regardé tout, n'est-ce pas, comment ça t'ayait du côté de l'ouest avec Pétion plus tard Boyer, et puisque nous disposons dans la classe là de 2 heures, on a pour aller le plus loin possible dans différentes administrations. Nous invitons à poser questions, ou à nous compte que toujours lire, n'est-ce pas, questions que vous posez, puis me partager avec invité dans la mesure du possible. Gomoun qui m'a dit comment on a fait pour faire Docteur Largelas, ou bien suivre chaîne, nous préparer pour vous, yon capsule très courte, moins d'une minute, côté que nous expliquons qui ça est capable de faire pour l'instant, pour capable aider Docteur Large, même si nous prévoit dans les prochains jours changer façon que n'a pas le mandat pour aider là, mais oui, bien sûr, conformément à ça que nous t'ai dit,
nous mettons annonce sous chaîne là qui sous page Facebook nous tout cap dire mais comment on capable personnellement aider docteur Large. Probablement que n'a pas le ouais si on capable faire de manière collective, mais en attendant ou capable commencer aider docteur Large. Nous dirons merci, songez que dans classe mercredi a nous s'est réfléchi sur une problématique haïtienne avec un expert haïtien. Et je vous dis donc, nous pas différents, nous pas le penser en termes relations internationales, nous pas le penser en termes géopolitiques avec pays nous. Et nous invitez vous à partir de maintenant à partager live là. Dans tout réseau, vous voyez tout partout, sur toute plateforme sociale, pour nous gagner le plus grand nombre possible de monde capable d'écouter. Et puis, plus nous connaît, plus nous comprenons, et puis plus nous va déterminer à changer pays. Nous sentons que la classe a poil belle. Donc, chaque classe mercredi, chaque monde que nous invitons, vient avec touche paio, ou vient avec expertise paio, ou vient avec personnalité paio. Mais nous sommes capables de dire, toute classe est toujours bon. Et nous efforcer nous parfois c'est vous même qui suggérez nous des mondes nous mando pour continuer faire ça et puis depuis mon effectivement il gagne quelque chose à dire et bien n'a pas invité lui tout de suite au pita parce que chaîne là nous les lumières sur le monde c'est pas moi même qui lumière là lumière là c'est nous toutes mais nous imaginez lorsque nous mettez tête en nous ensemble qui gros faisceau que nous fait pour nous capables d'éclairer Haïti. Il n'est pas normal pour Haïti. Il y a tout le monde qui est compétent, tout le monde qui aime le pays pour la situation liée là. On va essayer de comprendre vous qui ça. Et c'est ça que fait chaque mercredi dans le SAO en créole, sans que nous ne mettions roche dans la bouche à nous. Nous abordons toute qualité de questions, que ce soit avec le monde qui est en Haïti, le monde qui est à l'extérieur d'Haïti, mais toujours avec Haïtiens. Il y a une problématique haïtienne, nous trouver. Qui s'allie, qui solution. Restez là, n'a pas une pause. Entre temps, partagez live là sur réseau. Et puis, n'a pas tourné venir nous après pause. Kembi là. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle « Lumière sur le monde ». Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque, tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que, tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérir, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Voilà, nous remercions vous parce que vous toujours sous chaîne, n'a regardé nous gagne monde tout partout, des monde qui a écouté nous depuis la République dominicaine, bien sûr, des monde qui a écouté nous depuis Haïti, tout partout en Haïti d'ailleurs, des monde qui a écouté nous depuis les États-Unis, des monde qui a écouté nous bien sûr depuis le Canada, des monde qui a écouté nous depuis Turks and Caicos, donc
Tout partout, nous contents. C'est pour vous-même que nous fait classe à chaque mercredi. Donc, nous contents que ou déjà là. En nous parler ou de inviter nous en jeudi avant même que nous commencer. Inviter nous en, c'est le professeur Michel Soukart, historien de profession, journaliste de formation. Michel Soukart, c'est non seulement un pédagogue, mais c'est aussi un écrivain, mais vraiment un grand auteur, qui écrit près d'une vingtaine de livres, qui à la fois n'a fait poésie, qui à la fois n'a fait l'histoire, qui à la fois n'a fait roman. Et il y en a un roman que lui écrit, c'est un roman historique qui relait Courage et Frères, qui était publié en 2011. Et qui t'a gagné une mention spéciale du prix littéraire des Caraïbes. Michel Soukart, son monde que si vous suivez l'actualité en Haïti, ou sûrement connaît, ou bien entendez li, ou suivez li dans plusieurs stations de radio, ou bien même dans la télévision, côté que li régulièrement invité, li invité comme historien, li invité comme analyste politique, politique nationale, politique internationale. Et Michel Soukart, ça me t'a relé un puits d'érudition historique. Michel Soukart, c'est un membre, un ami personnel, pas bon l'heure pour mal Haïti pour que Michel Soukart va venir ouais mon côté mien dans l'hôtel là. Et pas bien l'heure tout Michel Soukart Canada, d'ailleurs son ancien membre diaspora, oui, qui était vive exil au Canada pendant 2 ans, soit de 84 à 86. Et bien pas bien l'heure que Michel Soukart Canada, pour nous pas ouais, que ce soit personnellement dans un restaurant ou bien un événement littéraire à côté que d'habitude participer dans le salon du livre, etc., de Montréal, entre autres. Michel Soukart s'est fait objet de grand honneur dans la foire du livre haïtien dernièrement, à côté que t'as honoré lui pour toute l'œuvre littéraire. Li. Michel, non seulement c'est un excellent conteur, mais c'est aussi un mec qui a une belle plume. Ça me surtout aime avec Michel, son mec qui, même si ouais son grande gueule, c'est un homme très modeste, très sobre, qui très mal à l'aise avec a fait compliment. Me persuadé là que s'il t'a deux avec moi, il t'a fait me reproche. Ah mon cher Jean, on pas besoin de dire tout bagage ça. Michel Soukart, on est là. Bienvenue, merci parce que ou disponible pour capable partager avec nous ça ou qu'on est sur affaire relation pays international pays d'Haïti. Comment y est Michel? Eh bien, n'a pas monsieur Jean de invitation. Hein? Jean-Baptiste a dit, on invite la caille, moi. C'est la caille, oui. Donc, bien content, vini, et bien content, on t'y parle. À soya avec tout le monde qui parle tant de mission ça. Nous parlons gagner un souci. Jean dit, c'est d'abord, tout ça nous fait, c'est un souci pédagogique. Mon souci pédagogique, ça veut dire que nous avons le chita à faire, à employer gros mots, gros expressions. Non. Nous pouvons le faire toujours un mais si fois ça que nous filmons que les Philadelphie, Denzel Washington comme avocat et Dion Moon. Expliquez-moi ça comme un enfant de 12 ans. Parce que moi-même, le que m'a écrit, ça que me pas retirer profondeur sujet mais de parler en toute simplicité pour que n'importe qui monde capable comprendre sérieux question que n'a débat. So dit à la rappeler moi une anecdote au Tévif Canada qui t'est passé entre René Lévesque et Jacques Parizeau. René Lévesque, premier ministre du Québec, connaît René Lévesque, son monde qui formé en journalisme tant que vous-même, mais qui pas de comprendre rien à faire chiffres. Bah, qu'on rien. Alors que Jacques Parizeau, son grand économiste, diplômé de la London School of Economics, etc. Et puis, lui fait appel à Jacques Parizeau comme ministre des Finances, lui. Et puis, même mon budget, René Lévesque, pas de qu'on lit. Et puis, il dit, Jacques Parizeau, on va l'expliquer, ça, tant qu'on t'y moune, ou même de 12 ans. Je dis, Jacques Parizeau, on va l'expliquer, ça, tant qu'on t'y moune de 6 ans, pour le parti d'opposition. Il a posé une question à l'Assemblée nationale, pour me connaître ça, pour me répondre, pour me pas porter au monde sort. Et c'est ça, il a toujours appris nous que l'on a fait pédagogie, faut viser mon nom qui gagne moins de connaissances dans ça là.
Parce que sou vize moun ki gen moins de connaissances dans ça là ou sûr que moun ki gen plus connaissances n'a comprendre. Et malheureusement nous souvent chelbe et puis n'a visé gros mots ou son expression maï moulu et puis là n'a parlé maï moulu comme ça et puis moun ki pi ba ou pas comprendre parce que nous visé toujours 2 3 4% en pile riton bagaille démagogique alors que le c'est pédagogie ou fait ou voulez que tout le monde capable comprendre parce que vous voulez tout le monde capable changer et c'est dans ce sens ça que m'applaudit ça fait Michel. Michel contexte que m'invite au là dans l'li clair. Nous n'ayons contexte en on dit de relations internationales, le géopolitique international changeant, mouvant. Yo dit politique en pays déterminé par géographie. Ça fait au parler de géopolitique. Ouais, le mot géo, espace et politique et administration de pouvoir. Haïti pas fait exception à ça puisque politique étrangère d'Haïti déterminée entre autres par le fait que son ancienne colonie française qui était objet de convoitise l'Espagne, qui était objet de convoitise l'Empire britannique, qui était objet de convoitise, n'est-ce pas, les États-Unis, elle déterminait surtout par le fait que nous situions à côté d'un gros éléphant qui est les États-Unis. Et c'est ça qui fait que m'invite aujourd'hui à pour aider nous comprendre histoire politique, relations étrangères, nous, à commencer depuis Toussaint Louverture. Classe là dans mais Michel Soukar, enseignez-nous. Bon, nous pas le faire de notre mieux pour essayer de comprendre. Jean Dia, c'est exactement comme ça. Nous devons commencer par là, mon Dieu. C'est ce fameux mot que Bonaparte dit, la politique d'un État est déterminée par sa géographie. Parce que géographie a changé. Ça, nous, les pays d'Haïti, auparavant que Saint-Domingue, qui était Espagnola et qui était Haïti, les situés dans que Caraïbes. Dans mi-temps, plus précisément, c'est les Grandes Antilles là. Et l'Ouabgalé, l'Ouabgalé, dans mi-temps, continent Amérique. Il y a 1h40 de vol de Miami, ce qui veut dire que Jean Bill Clinton est dit là, il est dans arrière pour les États-Unis. Lorsque le premier monde qui a eu ambition fait de test à Lyon l'État, si nous avons parlé comme ça, tout ça l'ouverture, il vient en position côté le cas commencé à contrôler le pouvoir. Tout ça l'ouverture, on dit compte très rapidement de réalité géopolitique qu'on a parlé là. Monsieur a dirigé pratiquement une colonie française, mais une France qui changeante, parce qu'elle sentit que cette France révolutionnaire de la Convention qui a venu en France réactionnaire, il prend bien temps, puisque c'est ce que Bonaparte va faire. Et monsieur pour aller jouer déjà ça au Capabrelé, en politique internationale qui chita sur jouer les contradictions entre grandes puissances. Et qui grande puissance qui gagne à l'époque dans zone ou gagne l'Espagne, qui est dans la partie orientale de l'île que M. T. servi, lorsque les négociations avec la première commission civile ont échoué, M. T. traversé dans l'Espagne là, et c'est là que M. Pral sorti de l'État de chef de bande pour venir au chef militaire, et c'est là que le Pral construit cet instrument stratégique qui au Pral relaie l'armée de l'ouverture de 3 à 4 000 hommes. Côté nous connaît un état-major, il y a des Salines, il y a Gabard, il y a Vernet, etc. Il y a Vaux et tout. Quand il y a là, monsieur Pral quitter l'Espagne, premier raisonnement que monsieur fait en termes, si nous capables de relations avec l'international de l'époque, c'est que l'Espagne, c'est un pays, il n'y a pas besoin d'un homme, encore, à part sa boule de journal, j'en ai déjà. Il est devenu militaire, il a construit son armée. Même si, s'il était tout, premièrement, personne n'a mouru, parce qu'il est en but à la haine, à la jalousie de ses anciens compagnons, les Biassou, etc. Biassou. Oui, et puis deuxièmement, tout, il s'est assassiné, monsieur, par les mouris, c'est frère. Et deuxièmement, l'homme sur les scènes internationales là, la France révolutionnaire se radicalise.
Ça veut dire qu'on a la personne de son tonax, il a aboli l'esclavage. Et on a un bagage fondamental que la première pour l'IA. Il répond donc à la demande de Lavaux, il passe dans le gouvernement français. Et il va libérer une bande de territoire qu'il prend pour l'Espagne, c'est pour ça Paul Virel. En s'embarquant à Jacmel pour l'aller en France, M. Pral dit, ce Toussaint crée l'ouverture partout. Et c'est là qu'il y a pas le suspendre le Toussaint de Breda, il y a pas le l'ouverture. C'est Toussaint l'ouverture. Mm-hmm. Bien. Mm-hmm. Maintenant, le bonhomme avec Lavaux, ce sont scènes politiques côté, comme pour tout homme d'État, il va s'en rendre compte très vite, parce que M. est trop homme d'État déjà. Mm-hmm. C'est que la relation internationale est dominée par la situation, est déterminée par la situation nationale. Mmh. Ah, d'accord, très bien. Mmh. Ça veut dire que son pral chercher fait sur le plan international, dans le contact quoi point, il est déterminé par besoin interne. Mmh. Donc, qui besoin interne, c'est que certainement Lavaux accueille la base ouverte, certainement il sauve les possessions françaises. Mais besoin, c'est que lui, il voit à long terme. Mmh. Première bagaille, c'est que les garanties liberté fraîchement acquise de la France révolutionnaire. Et puis, deuxièmement, tout, il veut bâtir un pouvoir qui n'a pas gagné pour le redouter à la fois du pouvoir de la métropole, mais en même temps, tout, du pouvoir des anciens libres. Ça a été les messieurs Afonchio, mulâtres et noirs libres, etc. Si vous permettez mon question, jusqu'à présent, dans la géopolitique internationale, là, pour nous projeter un mot moderne sous un bagage qui a passé, on nous dit au 19e siècle, vous parlez de comportement tout singulier dans un jeu contradictoire qui gagne entre l'Espagne et la France. Mais ou pas ton petit mot non plus sur l'Empire britannique, parce que nous connaissons que les Anglais... Mais en même temps, immédiatement, il se rend compte que il y a deux autres pays qui ont un rôle de plus en plus déterminant sur la scène de cette main. C'est l'Angleterre et les États-Unis. L'Angleterre lui-même qui intéressait à fouer pied dans ce domaine, à prendre même ce domaine pour lui. La preuve en est bien grande, c'est que débarqué tout pli dans la Candance, il débarqué tout pli dans l'Ouest, il débarqué tout pli dans le Nord-Ouest. Et deuxièmement, les États-Unis ni même pas débarqué tout, mais les États-Unis font la politique des affaires. Ça veut dire que les États-Unis rendent compte que pour que la France principalement tout ça l'ouverture, survivre là dans ce domaine, il faut que ce domaine produit ou le vende, il faut que ce domaine achète. Et c'est là pour le gagner, il y a un bagage qui est déterminant. Tellement important que nous n'avons jamais sorti là. Qui s'allie, professeur Soukha? Tout d'abord, face à l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays qui a fond politique, comme d'habitude, très pragmatique. D'el doul, par exemple, 1000, par exemple, 1000, c'est intéressant. Le gars de Saint-Domingue, non, il débarque Saint-Domingue, et puis il rend compte que la paix du monde. Contrairement à ça, il a pensé que le Dapral conquérit là, parce que les colons de l'esclavagiste, vous verrez l'île, etc. Mais il remarque que ce n'est pas une partie de plaisir, il a perdu presque 20 000 hommes, et dans les batailles, et dans la fièvre jaune. Et à ce moment-là, l'a joué pour l'Ouest, il a la franchi sous lui, à un certain moment où il était presque gagné rigo dans la poche. Mais ça ne marche pas. Et Thomas Maitland Pral dit cette phrase, pas jamais oublié. Monsieur Pral dit gouvernement la Kaeli, Thomas Maitland, colonel de l'armée britannique. Et Pral dit, attendez, j'aime la situation à ce domaine-là. Tôt ou tard, que nous voulons qu'une Baville, un, nous ne pouvons jamais conquérir pour l'Angleterre, deux, et la France a perdu. Le destin de ce domaine, c'est de devenir un pays indépendant, mais ce sera une république de brigands contrôlée par les États-Unis. Aïe, aïe, aïe.
Et là, c'est Thomas Maitland, qui c'est militaire qui dit anglais. 1799. Donc, monsieur déjà dit, et c'est ça qu'il faut dire, que Thomas Maitland prononçait des paroles quasi prophétiques, parce qu'il bien lire situation. Hein. Il dit que Haïti pour la géopolitique là. Voilà, il lit géopolitique là. Il dit que Haïti pour la république des brigands, qui va le contrôler par les États-Unis. Il y a deux gros bagages là. Il y a une république de brigands qui est toujours sous contrôle des États-Unis. En fonction de qui ça le dit ça, puisque même Jean Dilly, les États-Unis, c'est plus la politique du dollar qui intéressait. C'est business qui en vie fait. Or, voilà que Maitland fait déclaration ça au dimanche 1799. Donc, il fait déclaration ça en 1799 en raison de qui ça le dit, qui est l'élément de Guénamel qui fait le au bout du compte, même si Haïti est déclamé pendant 6 États-Unis pour le contrôler. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit dès le début. En fonction, l'Elga des quatre, ça domaine, non? Des gars des pays pipréa, comme grande puissance naissante et développement, c'est les États-Unis. Regardez la France, c'est jusqu'en Europe. La France, c'est un pays qui a pépé du poids. Et puis, regardez l'Angleterre, lui-même tout, il dit ouais, que par les moyens, pour venir attirer le pays ça, dans la bouche les États-Unis, qui a développé de plus en plus économiquement, et puis qui a développé relations commerciales avec ces domaines. Et puis, il y a une information clé dans le il y a une information que Toussaint joue la carte américaine. À un point tel que Toussaint pouvait Rigaud dans la guerre civile du Sud. Après chercher les armes, c'est américain. Non seulement après chercher ses armes, mais la marine américaine bloquait les ports du Sud. Pour faciliter la victoire de Toussaint. Pour faciliter la victoire de Toussaint. Et deuxièmement, l'Angleterre qui t'a aidé Rigaud rend compte que aide que le vlé Barigo a pas qu'à passer parce que les États-Unis compétent face à travers tout ça. Maintenant, à nous intéresser, nous... Donc, parlez. Donc, le Thomas Maitland gardé situation, hein, les 10 gouvernements, entendez bien, ça me parle, dit non. Général Simcoe qui a commandé troupio, l'autre bois là, dans ce domaine, n'a pas du monde, dit monsieur, rôle défini. Renoncez à ce domaine. Pour le moment, il faut que nous pensions à nous quatre. Ça nous apprend, je ne veux que nous parler, il faut négocier à tout ça. Et d'après l'information de Gagné, Toussaint veut mener ce pays, enfin, ce domaine à l'indépendance vis-à-vis de la France. Oui, oui. Et ça fait nous m'intéresser sur Dia, parce qu'on est toujours un débat sur l'intention politique de Toussaint. Mon Dieu, à Toussaint, Bully, c'était tout simplement réton colonie autonome. Mais Maitland fait lecture là, il dit non. Toussaint, à terme, à long terme peut-être, intention de mener Saint-Domingue à l'indépendance vis-à-vis de la France. Oui, c'était l'opinion des Anglais. Maintenant, à ce moment-là, Toussaint lui-même, M. Pral jouait donc, Jean Tétia, sur les contradictions de la grande puissance. Monsieur Guin a développé, monsieur a tablé relations commerciales, relations consulaires avec les États-Unis, par l'intermédiaire du consul Edward Stevens, qui est, comme tu as dit là, mon que quel contact direct avec là, c'est par Stevens que toute correspondance, monsieur, son avec vis-à-vis. Le président. Oui, c'est son vis-à-vis avec John Adams. Les États-Unis, dans gros commerce avec monsieur, les États-Unis ont voué marchandises, et même la voué vendre les États-Unis tout. Et puis, Zamdou. Ah oui, Zamdou. Maintenant, avec l'Angleterre, monsieur rend compte qu'il doit faire la paix avec l'Angleterre. Il est bon pour la France, tout, mais il est bon pour lui tout. Il est bon pour lui parce que tout en tant que l'Angleterre présent, l'Angleterre consolide la position des anciens colons esclavagistes. Et consolide la position tout des grands affranchis anciens libres, mulattes pour la plupart, qui a disputé pouvoir avec Don Rigaud. Et qui parlait ouais, Toussaint, c'est absolument. Naturellement. Donc, à ce moment-là, M. Guin intérêt fait la paix avec l'Angleterre. Donc, M. fait le traité de la pointe bourgeoise du 30 juin 1799. Et puis, à ce moment-là, l'affaire Rigaud est liquidée. Nous avons développé une relation avec les Américains. Bon, l'Espagne a un problème depuis longtemps. Maintenant, du point de vue international, son seul problème,
c'est de regarder ce qui se passe sur la scène politique en France. Et ça, elle était peur. C'est ça qui va arriver. Avec Napoléon. C'est l'arrivée d'une force, d'une force réactionnaire. Mais maintenant, vraiment, combien une chose, je t'ai dit en phrase clé tout à l'heure là, c'est que dès le début, le pays a pris un piège et nous ne sommes pas là. Le piège, c'est le piège néocolonial. Qui s'allie? Pourquoi? Pas oublions, bagaille. Quand elle est l'Angleterre, la France, l'Espagne, les États-Unis, ça qui intéresse une relation avec une colonie, tant que c'est domaine, et même quand ils peuvent venir en pays indépendant, c'est que ou vendent des denrées, sucre, café, coton, c'est ça qui intéresse. Donc, quasi, on contrôle commercial pour eux. Ça qui t'intéresse. En d'autres termes, ça qui t'intéresse la France, là. L'œil t'a financé colon, peut-être pour du voie et Bali. C'est toujours ça qui va l'intéresser. Ni la France, ni l'Angleterre, ni les États-Unis. C'est pour dégager, voie, denrées, bon, ouais. Tandis que, ça y aurait les masses, là, anciens esclaves, devenus cultivateurs, qui va être un paysan, ils sont même plus intéressés dans planter vivre à l'alimentaire. Tout ça, va continuer la même politique économique de la France coloniale. C'est-à-dire la produit va appliquer même va l'appliquer même politique économique là que l'Angleterre a besoin, que les États-Unis besoin et politique économique ça les rentrer dans desiderata les grandes puissances colonialistes, esclavagistes ou néocolonialistes de l'école. Ça veut dire, ou là, pour produire pour moi. C'est là que, ou là, pour produire pour moi. Et pour me produire pour où, il faut une grande plantation, côté m'a fait canne, côté m'a fait café, côté m'a fait coton, et faut mettre bâton dans des anciens esclaves qui viennent cultivateurs, qui viennent paysans, pour me joindre des ressources, pour me vendre bas où. Donc, n'ont pas jamais sorti de piège dépendance là, nous passer du piège du système de l'exclusif avec la métropole pour n'entrer dans ce capabrelé dans le piège néocolonial. Qui c'est la politique du dollar, ma produit pour métropole. Voilà, ma produit pour métropole. Que métropole là, c'est la France, qu'elle vient après ça l'Angleterre, qu'elle vient des États-Unis. C'est toujours mais même c'est eux-mêmes qui déterminent. C'est eux-mêmes qui déterminent qui s'est appelé changer avant. Et c'est eux-mêmes qui déterminent tous les termes de l'échange. Est-ce que son fatalité, ça Michel, va me poser une question. Est-ce que son fatalité, puisque nous rendons compte que pays, ça c'est de gros pays, militairement, économiquement, géographiquement aussi, à comparer à nos maigres 27 000 km², est-ce que son fatalité, ou bien est-ce que il y a moyen pour changer paradigme, ça, à côté que on dit, ou là pour produire, pour marcher, pas nous, point barre. Le problème qui vient d'arriver, c'est que au bon système économique mondial, depuis, parce que c'est depuis période Toussaint qu'on a parlé, depuis la période Toussaint, hein, côté les maîtres du jeu, dont le centre, c'était l'Europe, les Palvines déplacées après, les Palvines l'Amérique du Nord, et peut-être en troisième lieu, les Palvines transférées en Asie. Maintenant, à l'époque, qu'est-ce qui arrive? C'est que n'oublions pas quand même. C'est qu'un type comme Toussaint, et plus tard ceux qui vont suivre, ils sont de leur temps. Ils sont de leur époque. Toujours. Ils veulent, c'est vrai, ils veulent être libres, de plus être esclaves. Ils veulent avoir les mêmes droits civils et politiques que les Blancs. Ils veulent avoir le pouvoir aussi. Mais, justement. Mais le problème, c'est que le vrai pouvoir est économique. Toujours. Le vrai pouvoir est financier. Et sur ce point, ils n'ont rien en main pour avoir un rôle déterminant dans les choix économiques à l'échelle mondiale. Ça veut dire que vous soyez une colonie d'abord, que vous devenez un pays, entre guillemets, indépendant après, mais vous n'avez pas à vivre en autarcie. Ou pas qu'à vivre plié sous même. Faut faire commerce, faut gagner échange.
l'entrée dans jouet international là, l'entrée dans relation internationale là, ce qui prime pour ces messieurs, c'est d'abord l'économique. Même quand nous allons le voir, en nous poursuivant ce qui passe là, Toussaint vient en face Bonaparte, Bonaparte qui a visé pâle sur le plan international, il veut ouvrir Zelle en Amérique, Bonaparte mange monsieur, mais ce qui arrive, comment Bonaparte fait arriver maintenant dans Pat Gagan tout ça? Expliquez-nous ça. Eh ben, c'est clair, c'est encore une fois les relations internationales qui vont changer. Parce que dans un premier temps, tout ça pour aller profiter d'une contradiction entre la France et l'Angleterre. Et les États-Unis, pas des. De consolider là. À partir du moment où Bonaparte signe avec les Anglais la paix d'Amiens, immédiatement, l'Angleterre, qui est en paix avec la France, pas foutu empêcher que la France voue une flotte de guerre pour l'admettre l'ordre, dans ça que l'estimer qu'ils ont des ordres dans la colonie, c'est domaine. Donc, la voie le voue Leclerc, et avec conséquence que nous. D'autant que États-Unis, avec conséquence à tout. Mais maintenant, maintenant, ça ne parle pas, c'est tout. Le conjoncture a viré. Et que quand il y a là, il y a un problème encore entre l'Angleterre et la France, quand il y a là, l'Angleterre pour aider Haïti monsieur la main indigène, de même que les États-Unis, pour joindre des moyens pour faire indépendance. Pour libérer de la France. Voilà. Les États-Unis et l'Angleterre pour avoir les armes, pour avoir les munitions. Les Anglais, la plus grande flotte militaire du monde à l'époque, pour bloquer tous les ports de Saint-Domingue pour empêcher Français, que Leclerc d'abord, Rochambeau ensuite, joue un ravitaillement. Et maintenant, ce dont on parle peu, et c'est là pour l'importance économique, là, économie en sous, qui peut déterminer, on sait de bagailles. Le 1er janvier 1804, cérémonie pour inaugurer, pour baptiser le nouveau pays, il y a un représentant anglais, il y a un représentant américain. Là, à Gonaï. Et pourtant, aidez-nous comprendre. Aidez-nous comprendre en contradiction. Voilà une. Parce que ça vient. Qui t'aime poser question, on va pouvoir répondre, oui. Nous avons là la fondation d'un État de nègres, n'ayons pas peur des mots. Son état de nègre qui fondait là, qui baptisait même j'en dis, le 1er janvier 1804. États-Unis sont pays esclavagiste, dévoué représentant. Angleterre, c'est yon empire esclavagiste, tout zanti là gagné esclave pour lui, li présent. Comment on lit ça? C'est le pragmatisme des anglo-saxons? C'est le pragmatisme, c'est le réalisme brutal, parce que ça qui intéressait eux, c'est que premièrement, le danger Bonaparte était quand même. Les États-Unis connaissent que Bonaparte a gagné comme idée à partir de ce domaine, traverser Jamaïque et puis traverser Floride, traverser Louisiane. Il a gagné tel pour défaire la conquête de l'Amérique du Nord. Donc, ça qui passe ce domaine-là et qui aurait dépassé, hein, bloqué Elan Bonaparte. Mais en même temps, tout, deuxièmement, qu'on y a là, c'est eux-mêmes tout qui pour profiter de ça, payer ça après le produit. En termes de café, de coton, de sucre, etc. Jusqu'à présent, le produit n'a pas commencé à meilleur café. Oui. Maintenant, l'Angleterre a le même raisonnement tout. Les bloquer ravitaillement que la mer Leclerc au champ qu'à joindre, et qu'on est là, il n'est pas le toucher dividende. Ça veut dire maintenant, il n'est pas l'établir des relations commerciales. Mais, et c'est là, ça devient important, comme c'est un pays qui fait là, à partir de l'esclavage, un pays nègre, pas question de reconnaissance diplomatique officielle. Absolument. Mais des relations commerciales. Commerciales, point barre. Maintenant. Commerciales, point barre. Ça veut dire, n'a fait comme, ma vendu, ou pas acheter dans même, ma pas acheter dans même. Mais, question qu'on est à la pouvoir ambassadeur, la caméra, noir au mulat, la vie de monter de la peau, là, ça va là. Ça, c'est important. Parce ça. Que nous. C'est important parce que nous sommes, j'en suis dit là,
des pays esclavagistes, colonialistes et racistes. Mm-hmm. Et ça n'a pas changé, non? Nous flanquons Bonaparte dehors dans la Caraïbe. Mm-hmm. Nous flanquons la France dehors dans la Caraïbe. Là. Mais pas question qu'on vienne la Caraïbe, nous, et puis qu'on vienne déstabiliser un ordre économique qui chita sur l'esclavage, qui chita sur le racisme, mm-hmm. qui chita sur le colonialisme. Restez là, restez dans le coin. Rete nan coin, on a voué bateau vin devant nous, on a voué bateau vin acheter dans nous, mais pas plus que ça. Hein. Mm-hmm. Pas plus que ça. Mm-hmm. Et ma pose une question. Donc, ce qui fait que. Mm-hmm. Hein, oui, ça vous montre nous là, c'est que rapport entre nations, yo, et ça c'est pas grave pour nous répéter tout le temps dans la tête, mon nous, là, parlons de Saint-Domingue, un État ami, États-Unis, les pays amis, tout ça c'est de la grosse bullshit. Ça qui est important, c'est intérêt. États-Unis veulent faire commerce, et Anglais veulent faire commerce, etc. Mais nous-mêmes comme petit pays, 27 000 km, carrés, ça, nous mettons-nous dans la porte ou sans l'ouverture, parce que nous ne font pas en 1804, avec 1804, on a déjà avec des salines, mais nous retournons jusqu'en 1802, avant que Toussaint l'ouverture a pu arrêter puis déporter en France. Comment Toussaint l'ouverture te comprendre jeu d'intérêt ça yo, essentiellement, puisque l'Espagne oublie li, essentiellement entre l'Angleterre, les États-Unis et la France, et comment te kon tire zépingli nan jouet ça? Aidez-nous comprendre ça, Michel. Bon, tout d'abord, n'oublions pas une chose, c'est que Toussaint, j'en ai dit depuis le début, Toussaint suit avec beaucoup d'attention l'évolution de la scène politique. C'est la raison pour laquelle l'attendit, les conditions qui étaient possibles, pour que la France de révolutionnaire lui passait à réactionnaire. Uh-huh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pays ça, qui était d'accord pour abolir l'esclavage, même pays ça, lui a changé Kazakhsou. Donc, dans ce cas, lui, il se consolide parce qu'il sait qu'il doit se préparer à un affrontement. Il connaît qu'il faut le préparer là, on va foutre. Et tout ça, c'est la raison pour laquelle. Tout ça, c'est important mettre là pour souligner le pour nous. Pour tout ça qu'à suivre, ça qu'à passer en Europe, il faut le disposer d'un réseau d'informations. Il faut le disposer d'un réseau. Voilà, certainement. Mm-hmm. Oui. Parlez-nous de ça. Oui, là, il y a des réseaux, c'est-à-dire qu'il y a des mondes qui ont formé, et puis il y a des mondes tout, de l'armée française qui proche lui, qui ont dit que j'ai pas évolué. Par exemple, on est avec le colonel Vincent. Mm-hmm. Des mondes d'un coup, l'autre monde est précepteur pitié, il a dit exactement ce qu'il va évoluer. Maintenant, pour préparer la choc là, il faut que le connaître, qu'il faut l'appuyer, il faut le joindre force dans l'autre pays que le gagner partenariat avec lui, Takoum Dadou, les États-Unis, l'Angleterre, il faut le joindre moyen financier dans le meilleur, la vendre avec eux, la acheter dans le meilleur, la préorganiser la production. Il fait que M. Colin retourne, il connaît que la métropole, pareil, mais bagages, ça, mm-hmm. M. Colin retourne. Mm-hmm. Même ce qu'on est que pour son pays, il faut gagner de bagages, il faut gagner le savoir. Il mm-hmm. faut gagner le savoir économique, mm-hmm. financier, technique. Mm-hmm. Bon, c'est pas seulement le pouvoir, parce que comme disait l'autre, on peut tout faire avec une baïonnette sur ça, sur dessus. Absolument. Donc, monsieur connaît que les grands pouvoirs militaires n'amènent, les grands pouvoirs politiques n'amènent, mais ça ne suffit pas pour faire un pays. Ou besoin que l'économie en développe. Pour ça, l'homme se garde dans l'entourage. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait de gestion, de productivité. Donc, l'obligé fait un signe pour le retourner. Il a un minimum de garantie. Mm-hmm. Et puis, bon, il a reparti. Il est reparti. Il est reparti. Et puis, en même temps, qu'on y a là, monsieur gagne pas avec l'Angleterre. Monsieur connaît que les Anglais, ils ont peur Bonaparte, donc ils ont un point commun, ils ont peur que la France ne vive pas sous eux. Donc, on y a là, avec monsieur tout, il a pas acheté, il a vendu, et puis, lui, il se consolide. Il se consolide fortement. Mais maintenant, le combat qui va passer, c'est que Jean Baladia, événement, il parle pour vitesse sur monsieur. Pour l'accélérer. Jean Baladia, que. Pas l'accélérer, c'est lorsque la paix d'Amiens. L'Angleterre et la France font la paix d'Amiens. Ah, qu'on y a là, apparemment, pas de contradiction entre la France et l'Angleterre. Et
c'était qu'on est que tout autant que gain contradiction la France et l'Angleterre, l'Angleterre qui possède la plus puissante flotte du monde, pas quitter en flotte française, vient faire des autres là dans les Caraïbes. OK, gomaga aussi là qui on n'a pas de problème entre eux. N'a travé. Vous n'avez pas de problème entre eux à n'importe quel moment. La France a débarqué. La France a débarqué. Et c'est ce qui arrive. Et à partir de ça, dis-nous là, et c'est très vrai historiquement, survie Haïti liée à contradiction gain entre forces européennes, ou non? C'était vrai hier, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Ah, non, pas Haïti seulement. Non, mais on concentre sur Haïti. Dépoussons le petit pays et que vous situez non, ou capable de dire non, bab, on gagne puissance. Il faut qu'on joue sur les contradictions de grande puissance ou est-ce qu'on tire épingle du jeu. Tout cela compris. Il y a une colère, ma font grand jambé avec vous, de 19e siècle jusqu'au 21e siècle. Donc, il y a un monde unipolaire pas bon pour petit pays, c'est ça envie dit. C'est ça, me comprendre. Ah, ou mon unipolaire, c'est difficile pour vous parce que ça a un seul coq qui chante dans la basse pour vous. C'est ça. Qui fait salver. Ok, très bien. Et ça m'inspire mon autre question. Alors, un petit exemple, c'est simple. La révolution cubaine, a pu survivre. Grâce. Et donner tous les résultats que à la guerre froide. Parce que Castro a joué sur les contradictions de l'Union soviétique, les États-Unis. Et puis, il a fini, au moins lui-même, il n'a pas volé sa soviétique qui était venue faire à Cuba, ils font payer avec elle. Bon, pour ça lui-même, il commence. Ah, maintenant, monsieur, tout ça lui-même, monsieur a bougé sur la décision de France, le jour que deux pays ont entendu, monsieur Jean Sennadé, que là, monsieur Talfa, autour d'inspection dans la partie de l'Est, j'étais dans Pointe Savannah, et puis monsieur Westflot, a débarqué. Quand 16 à Cap Vini, et puis monsieur dit, mais c'est le monde, c'est l'Europe entière qui débarque, qui nous attaque. Absolument. Roman. Bon, bien sûr, Jean Baladia, il va livrer cette guerre, qu'on appelle la première guerre de l'indépendance, la guerre de trois mois. Il perd du lit. Monsieur Pral perdu, je prends pour monsieur, vous allez l'aller. Mais monsieur connaît ça le quitter. Et c'est pourquoi il a eu ce mot fameux. En renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre. Et il a repoussé par là. Mais il repoussera. Il repoussera. Et de parce fait. Parce que monsieur Lee Bonaparte bien. Lee Bonaparte sont réactionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont là qui comprennent qu'il a fait l'histoire, fait bac. C'est-à-dire retourner mon esclavage dans toute cause et ça. Tel qu'on est que ça qui était là, pas qu'à admettre pour retourner un esclavage. Et de fait, pour mon bon raison. Maintenant, nous savons bien que bon. Nous savons bien que M. Pral fait dépendance et c'est trois secteurs différents qui parlent de tête ensemble pour finalement mettre la force dehors, chaque pour raison par eux. Ils font mariage de raison. Du côté des anciens libres, affranchis mulat et noir libre, c'est que M. Sorteg information que Bonaparte dit de faire. Dès que ça a eu, Destéo, c'est foutu en prison, voyou, Madagascar, jusqu'à de l'Afrique. Ou bien tué au tout, oui. Ou bien tué au tout. Quant à monsieur Toussaint, fusillé, mais exilé, au même genre. Et quant à Mastali, même, bon, noyé, pagné, désarmé, etc. Mais il faut que colonie retourne travailler pour nous dans le cadre de l'esclavage. Bon, maintenant donc. Ou bien intérêt à M. Ancien Libio, qui rencontre M. Intérêt Ancien Ouverture, et qui vient rencontrer tous les intérêts de masse, parce que nous ne pouvons pas retourner dans l'esclavage, ce qui est tout à fait normal. Et c'est cette fameuse réponse de Christophe, Henri Christophe, Leclerc. Parce que Leclerc t'est rapporté par supérieur, que non, en fait, qu'il t'a fait au Cap. Christophe, c'est là, et puis le Christophe, c'est sombre. Et moi, je dis à Christophe, mais pour qui ça n'allait pas gay même genre à tout le monde? Et Christophe posait la question à brûle pour point. Il dit, est-ce que c'est vrai qu'on retourne ici pour établir l'esclavage? Je demande à Christophe, quand tu prends ça, si tu nous réponds, oui ou non? Je dis, parce que moi, je bagay, gouverneur. Souvenir que ce n'est pas vrai, c'est demain après tout, colonie française sans problème. Mais si c'est vrai, la France a perdu colonie. Parce que nous ne pouvons pas admettre.
c'était clair. Maintenant, le négo est que la France vient pour établir l'esclavage, tout le monde s'est passé, cette union sacrée s'est faite, et puis bon, qu'on y a là, Dessalines lui-même, pour aller profiter du fait que contradiction répétée entre l'Angleterre et la France, les États-Unis et les Anglais vont aider l'armée de Dessalines à se débarrasser de l'armée française, la fièvre jaune qui est en question, tout le monde, etc. Verti à 18. Et puis bon, finalement, le 1er janvier, indépendance la fête. Avant de jouer avec Dessalines, à nous juste, ces professeurs, il est important pour nous. Qui leçon, 1, 2, 3, nous doit tirer de politique étrangère Saint-Domingue avec l'ouverture? 1, 2, 3, avant de jouer 1804, qui va permettre de garder Dessalines. Bon, la première leçon, c'est que Toussaint nous a appris, expérience Toussaint apprend nous, que par les sentiments dans bagage ça. Pas gain remen ni raï. Tout est une affaire d'intérêt. Le premier bagage. Deuxièmement, au monde qui sont hommes d'État, pas jamais oublier que politique intérieure, c'est lui-même qui peut déterminer politique extérieure. En politique, dans science politique, il dit Toussaint. Vous m'avez parlé. Pas Toussaint s'est rendu compte, Toussaint connaît, il s'est rendu compte que pour consolider à l'intérieur, il faut gagner des alliés à l'extérieur. Les gains alliés donc auprès des États-Unis, les gains alliés auprès des Anglais, les gains même des alliés en France. Mais cependant, troisième bagage pour nous retenir, il faut gagner un bon service d'information qui pour dire où leur contradiction a développé entre grandes puissances. Qui autre contradiction à prendre. Tout à fait. Ah, c'est gros causé, oui, Michel. Ou même, ou capable de tirer pingou du jeu. C'est important. C'est extrêmement important. Soit on me fait un petit coup pour on a dit mon yo ça de temps en temps. Soit on me coupe Michel, c'est pas parce que me connais autant de lui, non, c'est parce que Gombaga il dit m'a envie souligner le pourtant de deux fois parce que son classe n'a fait mon yo doit comme ça. Michel Conta c'est pour conférence là présenter son classe n'a fait de temps en temps, mais même comme médiateur forme font petit campel pour me faire le souligner au bagage parce que Gomba il dit tellement bien il prend pour acquis que tout le monde comprenne forme fait le répéter pour l'entrer dans oreilles nous parce que son initiation à la citoyenneté n'a fait une grosse cause aujourd'hui là ou pas capable homme d'état sans un réseau de renseignement de même ou pas capable gain pays ou pas capable gain pays ou pas capable gain état sous pas gain renseignement. Et yon nan façon pour que ou pas gain l'état en ce moment en Haïti c'est parce que ou pas gain aucun réseau d'enseignement. Pays, ça, c'est un couillon passoir. Donc, ou résumer pour nous tout ça. Effectivement. Ou résumer pour nous tout ça l'ouverture. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, jeu d'intérêt encore. Vin fait que la paix d'Amiens. J'aime pas la dire. J'aime pas la dire là. C'est mon avis. Mm-hmm. C'est mon opinion. Mm-hmm. Elle est discutable. Pour moi-même, notre histoire, nous. Toussaint Louverture, c'est le premier homme d'État digne de ce nom. Moi-même tout. Monsieur très clair. Monsieur très clair sur le jeu des intérêts. Monsieur très clair. Il est lucide. Mais naturellement, non, monsieur lucide. Même monsieur pour le payer, yon bagay. Couleur li. C'est que y a là la tête des mounes qui pokon peuple. Et au conduit était reproché le ça qu'il donnait l'air d'être le seul à penser et à décider. Mais ce n'était pas vrai. Tout ça c'est son monde qui t'écoutait conseil toute qualité monde. Absolument. Par exemple Bernard Bourgella qui était un ancien colon blanc, c'était mon niampil. D'ailleurs c'est Bernard Bourgella qui a écrit la Constitution, c'est Bernard Bourgella qui préside le tribunal. Qui a arrêté Moïse, qui jugeait Moïse. Bonabouge l'a dit, monsieur, je ne parle pas Moïse, hein? C'est monsieur lui-même pour l'exemple, pour ne pas désobéir, qui faisait Moïse. Et Bonabouge là, c'est papa Jérôme Maximilien Bonabouge là, qui était un Rigoudin. C'est ça que fait le Dessalines gagne la guerre du Sud. Bonabouge là s'est rendu, il a perdu. Et puis là, tout s'est descendu en bas, tout s'est dit. Comment se fait-il que par rapport à ce monde, et puis il a fait nous comprendre, qui baille ça? Je dis, mais général.
j'obéissais aux ordres de mon supérieur en Derigo. Même au supérieur, donc auto va finir par exécuter. Vous savez que chef de diogèse, vous êtes bon militaire, mes amis. Donc c'est pour te dire, vraiment, grand conseil, monsieur, encore, c'était ce grand affranchi riche, Gilles Raymond. C'est Gilles Raymond qui était responsable de la politique d'instruction publique de Toussaint. Bon, et qui était occupé à faire gestion de domaine. Donc, monsieur, ce monde qui t'a gagné quand même deux ou trois conseillers qui t'a connu pour l'époque, qui t'a mal des conseils, mais et c'est lui qui décidait en dernier lieu. C'est lui qui décide. Et nous d'accord donc, que son homme d'État, au sens plein du terme. Ah oui, définitivement, définitivement. Il faudra, à mon avis, il faudra attendre Henri Christophe pour qu'on deuxième homme d'État comme ça. À nous pour arriver là. Bon. En nous jambé, non. En nous jambé. 1er janvier, alors, tout ça, tout ça. Dessalines arrive. Et Dessalines, depuis le 1er janvier 1904, dès le début, monsieur définit politique extérieure nouvel État. Monsieur dit, non, la défendre tête, non, c'est évident, devant tout retour agressif des Français, qui est très possible. Et puis, en même temps, tout, monsieur dit, nous ne pouvons pas le. Maintenant, peut-être que nous allons faire, nous allons exporter la révolution haïtienne. Nous allons des coups de feu révolutionnaires, nous allons respecter, nous allons déstabiliser son nom, en d'autres termes. Ça, c'est de la musique aux oreilles des Anglais et des Américains. Et des Espagnols et aussi. Et tout le monde qui est dans son nom. Tout le monde qui est dans son nom, qui vient, bien sûr. Absolument. Et puis, maintenant, monsieur lui-même tout, l'IPRAL essayait dès le début, parce que le con est extrêmement difficile, surtout après le massacre des Français, pour que PIA indépendance vienne reconnaître. Mais, monsieur a des relations commerciales, monsieur Pralé imposer, monsieur Pralé voulait imposer aux puissances qui viennent négocier avec lui pour les revenir, mais ça pourrait acheter, mais quand c'était pour acheter, etc. Faut qu'à gazon, les gouttières, coton, les gouttières sucre, les gouttières café, etc. Monsieur Pralet a fait des guildives, a fait exploitation camp pêche. Il voulait définir que c'est lui-même qui peut décider. Et dit d'accord, pour l'autre, il y a une logique quand propriété, vous planter dans le rivaux dans le réalia. Mais en même temps, tout, il y a des bails que monsieur va appeler, de l'estimer qui n'est pas bon pour payer. A fait des faits guildives, Boitafia, a fait des bails camp pêche, il va aller ça. Bon. Donc, ce qui fait que, sur le plan commercial, de par politique, il va se créer des ennemis. Des ennemis tant haïtiens qu'étrangers. Bon, mais Antoine de Saline dit, l'affaire ou l'affaire internationale là, et ça le fait, c'est débat. Expliquez-nous ça, monsieur. Oui, bagaille. Oui, bagaille, monsieur, l'aile dit nous ne pouvons pas le servir de bout de feu révolutionnaire. Bon, écoute. Ça, c'est discours. Les services secrets les services secrets de Saline. Allait en Guyane, en Guadeloupe, dans les possessions françaises et même des possessions espagnoles à Porto Rico pour essayer de susciter des révoltes d'esclaves. Fonti campé là, Michel, s'il vous plaît. Il a arrêté. Pardon? Fonti campé pour me poser une question. Vous parlez de service secret de Dessalines, service de renseignement. Bon, j'emploie dire, m'emploie une expression. Non, bien sûr, mais non, on va voir où ça m'a envie de dire, oui. De qui est réseau service renseignement Dessalines qui est à la tête d'un État nègre? De qui ça le constitue? Est-ce que c'est des mercenaires que l'État haïtien payait pour bas information? Est-ce que c'est diplomatique? Aidez-nous comprendre ça, s'il vous plaît. Non, c'est des mondes que cap travail pour l'État haïtien. C'est des mondes qui sont couverts comme de la commerçants eux. Ou bien des agents qui prennent des renseignements parce que Haïti gagne bien pour le vendre. Haïti veut acheter tout. Mais, là, il y a une série de côtés qui sont des colonies françaises, des colonies espagnoles ou bien anglaises. Moun avait, parce qu'on connaît que son pays qui trace son mauvais exemple, son pays qui sont anomalies, son pays qui se défie à leurs intérêts. Donc, c'est la raison pour laquelle non VEO a gagné, qui a capturé, et puis n'a été au GEO. Les gars n'ont pas obligé sous la torture, il y a une équipe à aller qui dit, mais c'est un devine fait. Et maintenant, le plus bel exemple, pour montrer que Dessalines n'a pas vraiment renoncé à cette exportation de la révolution, c'est l'accueil réservé à Miranda. Tout à fait. Le Miranda a venu à Jacmel. Bon,
Monsieur, tout le monde connaît ça, monsieur Dimionda. Premièrement, monsieur Balod pour y aider Dimionda. Et puis, bon, c'est à chaque fois que Dimionda pour drapeau colombien, vénézuélien. Et puis, monsieur Dimionda, mais à qui ça? Pour le faire révolution. Il a dit, bon, pour aller réunir le monde, pour parler avec eux. Il a dit, ah bon, parole. Et bien, mon chanson, dès qu'il tout mouri. Et puis, c'est ça, monsieur Pral. Prononcer ce fameux mot, sou qu'on est, ou pas qu'à couper tête et boule caille, ou pas nous faire révolution. Donc, en d'autres termes, et n'oublions pas aussi, et il y a tellement veillé, monsieur, il y a tellement veillé Haïti, c'est que, oui, c'est que même quand l'Angleterre est bon, t'es aidé, eh bien, t'es gagné plusieurs anicoches entre monsieur. Plusieurs frappés tête entre monsieur avec le gouverneur de la Jamaïque, le gouverneur Nugent. Il pas de vouloir du tout que bateau haïtien poché pour Jamaïque, pour que nèg Jamaïque pas, ouais, que c'est mis là, t'as nèg noué, qu'a payé monter bateau, yo, c'est pays indépendant, yo, gagné rapport, yo, gagné. Ah non. Yo, qu'on saisit bateau, yo. Monsieur même menacé de Saline, dans cette moment. Monsieur même menacé de Saline, dans cette moment. Que Saline dit, monsieur, ah, bah, qu'on est sous qu'on est que les corsaires haïtiens sont de redoutables corsaires. Monsieur menacé Nugent tout. Parce que je ne vais pas me parler d'une exaio. Parce que même j'en café, je café tout. Ça, c'est intéressant que, dans le moment ça, le yon blanc menace nous, nous riposte à menace tout. Ça, c'est l'autre cause. Mais nous font-ils camper. Oui, on va poser ça. Adieu. Son cause qui créait en pile bagaille entre nous-mêmes, nègres haïtiens, avec des nègres d'autres pays. Dis-moi une cause. Pour aller très vite, nous songeons l'homme des États-Unis et puis qu'on côté, t'es un haïtien, t'es un africain. Bon, c'est un africain francophone, nous comprenons des mondes qui sont dans un pays qui étaient négociés indépendants sur avec De Gaulle. Bien sûr. Et bien, mon cher, nous l'homme qui pétait dans le petit fait samedi, côté haïtien dit, nous-mêmes, c'est pas un baudet blanc, nous prenons l'indépendance. Ça coûte cuisine, foutu dehors. De vous dire que ça, c'est la guerre, on déclare encore division. Les amis, non, pourquoi? Bon, c'est un ancien ami africain qui t'a commis. On me dit, monsieur, où est-ce que vous avez causé ça là ou qu'à pas de vivre? On a sorti un tout. Je ne pas attendre parce que monsieur Vina, monsieur Vina, ça, bon, cette histoire d'indépendance d'Haïti, c'est la fièvre jaune, ben, ça sent quoi, ben, quoi. Je dis, monsieur, bon, la fièvre jaune a joué au rôle, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profond que ça. Et puis, monsieur, là, quelle parole là? Ah ben, il en a eu pour son grade, hein. Pour son grade. Ah, c'est ramassé. Monsieur, il y a un flac tout africain dehors, on ne va pas la fenêtre. En tout cas. Oui. Donc, pour dire une chose, c'est que la politique internationale d'Haïti au début, c'est quoi? C'est que Dessalines très conscient que nous sommes pays qui encerclent. Nous sommes pays qui, sous la tolérance des grandes puissances qui ont un problème à la France, parce qu'à l'époque, pas bien, c'est Bonaparte en France toujours, l'Angleterre en guerre avec lui, l'Espagne, les États-Unis, Peul. Donc, ils ont toléré, mais ils n'ont pas admettre nous en réalité. Seulement que vous faites, il y a vendu nous, il y a acheté nous. Maintenant, pour essayer, mais très timidement, parce que je n'ai pas grand pile moyen, de desserrer les traites, c'est de aider révolutionnaires qui sont dans la colonie. Espagnol, etc., où est-ce qu'il a fait la taille pour que Haïti pas concentré sur lui et disons les canons de toutes ces grandes puissances ou que ce n'est pas la seule cible. Bon. Maintenant, ce qui vient d'arriver, c'est que Dessalines l'a assassiné. Il y a les problèmes internes, mais comme tu as dit tout à l'heure, tout, politique internationale, monsieur, tout du point de vue commercial, t'es mécontenté. T'es mécontenté les Anglais, les Américains, parce que cette histoire de contingenter les cargaisons, de forcer les grands commerçants consignataires, les représentants des acheteurs en Angleterre, aux États-Unis, où c'est ça pour acheter, en tant quantité pour acheter là, y a pas très bien bail ça. Est-ce que vous voulez que les OVNI achètent ça, vous voulez? Il achète ça, vous voulez la quantité pour acheter. Dessalines, pas de plus. Est-ce qu'on pense à l'assassinat de Dessalines
qu'a expliqué tout par politique commerciale li avec pays sa yo? Est-ce que vous pensez pays sa yo gen men ou directement ou indirectement nan complot nan assassinat empereur? Bon, m'pap koui dit ça, mais fait est certain c'est que ça ne les a pas dérangé. Ça ne les a pas dérangé parce que yote, comme moi dit nous, du point de vue intérêt commercial, yo de sa ligne te commencé déranger li. Te commencé à bijener. Oui, c'est comment ça vient. On nous résume même Jean-Sophie. Maintenant, que... on met parler, avancer. Hein? Non, mais d'aller. Non, on met avancer, avancer. Bon, donc, en d'autres termes, le nous parler sur la scène internationale, avec Dessalines comme chef d'État, Dessalines pral prend, ça me l'est allé là, les pral vivre le piège néocolonial, même Jean-Toussaint pral là. Expliquez-nous ça. Parce que l'homme se fait indépendance là. C'est une indépendance qu'il a acquis par le fer et par le feu et par le sang. Même je vous dis tout de suite que pour le vivre, premièrement, il faut l'acheter, il faut le vendre. Et l'obliger à vendre sa grande puissance, mandé acheter. Et à prix que le voulait acheter, et en quantité que le voulait acheter. Et c'est ça que fait. Que ça me t'a dit à l'heure là, les grands commerces qui représentent les intérêts économiques de ces grandes puissances, ils n'ont pas fâché du tout que des salines nous. Donc, politique commerciale, nous, depuis un moment ça, l'est déterminée par grande puissance ça, dans le sens que c'est eux qui acheté, ils ont décidé qui ça pour acheter, ils ont décidé à qui prix pour acheter, ils ont décidé à qui quantité pour acheter. Exactement. Des salines compagnie qui a sorti là-dedans, mais pas capable. Bon, maintenant, quand il meurt, ce qui arrive, bon, nous connaissons, le pays a éclaté, Christophe dans le nord, Pétion dans le sud. Maintenant, que ce soit la République de Pétion, que ce soit le royaume de Christophe, gagnons préoccupation fondamentale, c'est que le problème se pose si le que n'a pas capable de sortir dans l'isolement diplomatique qui gagne. Donc c'est reconnaissance indépendance là. Ah, ça c'est la grosse question. La reconnaissance indépendance, ça c'est une. Mais deuxièmement tout, si n'a pas dans le nord, Christophe veut la reconnaissance de l'indépendance, mais Christophe concerne au Maghreb. Faut le bâtir un pays. Ah oui. Et il va le mettre sous pied en politique économique pour gagner en productivité maximale. Parce que le Gombaga a dit au début. Il est conscient. Il est conscient, fini phrase, non? Oui, il est conscient que faut le battre un pays. Parce que le Gombaga a dit au début. Battre un pays, ça veut dire. Oui. Le Gombaga a dit au début de classe là, vrai pouvoir là, c'est pouvoir économique. Oui, si ça. Ou pas gagne l'argent dans caisse, c'est pas économique là. C'est ça, si ou pas gagne l'argent dans caisse, ou pas qu'à tirer pingor du jeu dans jeu contradictoire ça, ou gagne en grande puissance. Maintenant, on nous garde des yeux nous sous Christophe. Comment politique étrangère Christophe la teye? Qui ça le comprend? Comment le pour dresser puissance yo yon contre l'autre pour capable construire pays ça qui pour le royaume du Nord. Christophe connaît que la France sont ennemis mortels. C'est comme ça. Christophe, à ce moment-là, prend le tournel vers l'ennemi de la France. L'ennemi de mon ennemi. Peut-être mon ami. N'est pas forcément mon ami, mais peut-être mon ami. Donc, il se prend développer des relations avec l'Angleterre. Il se prend développer des relations avec les États-Unis. Est-ce que son, jeu, terme, est-ce que son jeu dangereux, ça c'est important pour moi, est-ce que son jeu dangereux, sans dire à vrai, l'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. En me rapprochant... Mais pas forcément. Ah oui, d'accord. Bien sûr, mais ça, c'est politique. En fait, on est d'accord. En me rapprochant de l'ennemi de mon ennemi, est-ce que ça n'a pas fait ennemi dans tout, une pi méchant verme? Je venais l'y goûter un peu, non? Pour nous faire un grand pas, on a prêté dans Christophe, oui. Son belle lecture Christophe fait là, mais est-ce que ce n'est pas ton jeu dangereux pour lui que de se rapprocher de l'ennemi de son ennemi mortel? Bon, vous connaissez,
ces types n'avaient pas peur du danger, parce que yo qu'on est qui, depuis qu'on son équipe est danger, pendant qu'ils ont essayé de bataille. Et Christophe s'est rendu compte, et il a bien suivi aussi, il a pris l'examen de l'ouverture. C'est pas un mêlement anglais, c'est pas un mêlement américain, il connaît blanc, ça vous paraît même tout, même genre avec français, hein, mais tout est une affaire d'intérêt. Et n'oublie pas une chose, c'est que même nos formations personnelles, ils sont fait un homme d'affaires. Ça veut dire qu'ils sont son aigle qui, toujours, depuis, Jean-Baptiste a dit, un jeune petit garçon, l'a négocié. Il dit, ouais, qui, Jean business fait à l'hôtel de la Couronne, il faut une propriété hôtel là. Son aigle qui compte, ça, oui, les gestions des, gestion monde, gestion l'argent, gestion des choses. Négociation. Ah, négociation, monsieur, qu'on est. Autant que Dessalines, si c'est pas plus, Dessalines, t'es qu'on dit ça. Dessalines, t'es dit, m'en a fait couler à monde. Parce que m'en colon, moi, bien. Tout le temps, il a parlé des blancs, des nègres, depuis là, t'es occupé. Et m'en colon, moi. Ou met ton sac sucre, ou met ton sac sucre devant. Ou met madame ni devant le sac sucre là. M'passons, j'ai qui est-ce qui t'a dit que Occidental a tellement aimé faire business que il prête avant nous même code avec qui on va le prendre. C'est business qu'a fait, c'est l'argent qui est important. Ouais. Donc, Christophe le sait. Donc, Christophe connaît que pour l'intéressant pour l'Angleterre, pour les États-Unis, Folguin bagage intéressant pour le vendre. Donc, c'est pourquoi il va installer dans le Nord une politique de productivité, mais vraiment avec la rigueur la plus extrême. Et le royaume du Nord va devenir un royaume puissant, riche et prospère. Monsieur a produit, monsieur a vendu, monsieur a acheté. Le Wabde Abdekou, l'animation que tu as gagné dans les ports du Royaume du Nord, sous Christophe, son bail extraordinaire. Prendre ses bateaux, qui a sorti un paquet de côté, qui a venu acheter, etc. Parce que monsieur connaît, il a vu aussi avec Toussaint, pas gain pouvoir sans l'économique. Pas gain pouvoir sans les finances. Et maintenant, ne comme qu'a fait là, Christophe Bobin en tête. France, Christophe dit que nous voulons que nous parlions, on leur fait une chita pour nous parler à la France, parce que nous pas cacher la fête vie nous. Est-ce que la France a venu ou pas? Et puis le fini n'a fou bizarre, non. Monsieur connaît que on leur, au moment qu'a venu, qu'on négociation qu'a fait. Et monsieur connaît tout quoi faire l'argent pour le bas. Donc monsieur a serré comme, de manière à ce que, non seulement s'il le faut pour le payer la France, un petit coup pour indépendance là, même ce besoin ouvert zèle pays à tout. Parce que Dessalines t'a quitté un mot, du point de vue politique international, c'est du point de vue insulaire, il faut avoir la mer pour frontière. C'est très important. Dessalines t'a dit, pas jamais quitté en grande puissance. Débarquer et contrôler la partie orientale. Ça, je ne le dis à Willy Dominicain. Et Toussaint, avant de Saline, Toussaint te comprenne, oui, avant de Saline, Toussaint te comprenne. Oui, Toussaint te comprenne, mais de Saline qui ton mot, qui résume la, cette doctrine et internationale, la mer pour frontière. Les Romains, c'est qu'on dit ça, c'est notre donc, mer. Voilà. Donc, Christophe lui-même, c'est pour acheter partie orientale là tout. Si on le ligue occasion ça, au lieu que le conquérir les armes à la main. Donc, toute production hein, que Christophe a fait à tout, c'est préoccupation internationale qu'il gagne tout. Les canaux d'obligation pour le négocier à la France, c'est pas contre qui le sac a fait, mais il sentit que ça vignon là. Deuxièmement, il faut que l'ivre l'acheter l'autre partie, hein. Parce que gagne des monde qui vivent l'autre bois, de temps en temps qui viennent par la velle, depuis bien avant Boyer, hein, qu'il faut que Haïti prenne l'autre bois pour nous faire une. Donc, il y a tout ça qui entre à Christophe. Et maintenant, mon deuxième petit fait que dans l'histoire, il n'y a pas parlé trop de lui, et qui n'a jamais été élucidé, c'est la première grande révolte d'esclaves qui a eu lieu à Cuba. Qui relaie la conspiration d'Antonio Aponte. Et parlez-nous de lui. Antonio Aponte, c'était un Cubain, enfin,
un esclave humain qui était un minimum de connaissances et monsieur était influencé en pile par la révolution haïtienne. Et monsieur était connu qui jamais monsieur esclave dans le nord était organisé. Puis était fait cette fameuse révolte du 22 août 1791. Ça suit le même schéma. Monsieur traversait toute société secrète qui était gagné au bon côté dans l'île là. Monsieur fait réunion même Jean Boukman de fait là. Et puis révolte la pété. Nous sommes en 1811, 1812, 1812. Mais qu'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que la révolte aussi va échouer? Alors que c'est la plus importante révolte d'esclaves faite dans la colonie espagnole de Cuba. C'est parce que bon aide qui était gagnée pour te venir d'Haïti et qui pas arrivé. Mais aide là t'es négocié, aide là t'es accepté. T'as gagné même 300 fusils qui pour te sortir Haïti et pour te venir distribuer Cuba pour que soutenir révolte. L'Haïti de Christophe. L'Haïti de Christophe ou l'Haïti de Christophe? Alors, c'est là l'affaire. C'est là l'affaire. C'est là l'affaire que, qui pas clair. Bon. Moi-même, peut-être, dans le raisonnement, moi, dit, comme Christophe t'es pipré, c'est qu'à peut-être l'Haïti de Christophe. Parce que Cuba et le nord-ouest d'Haïti, c'est un bras de mer. Tout à fait. Mais ce Mbakonen, je n'ai pas la preuve. Si on monde qui t'a gagné, qui est spécialiste de l'histoire de cette révolte à Cuba, j'aime dire à Kurele la révolte, la conspiration d'Apunte, qui fait exactement, si je bien rappelé, c'est en 1812. T'as bien aimé qu'on est-ce que vous jouez finalement qui bon ou Zam ça a été sorti. Mais c'est sûr que Haïti te gen men nan bay sa. Bon. Maintenant, le capitaine là, bon, ça a échoué. L'armée panyol écrasé révolta. Capturé à Punté. Écrasé révolta, il a réprimé, il a capturé à Punté, il a coupé tête libre, même genre avec Boukman. Et aujourd'hui à Cuba, bon, à Punté est une grande figure de la résistance anti-esclavagiste, etc. Donc, tout ceci pour arriver à dire quoi, c'est que il y a une tradition qui commençait depuis Toussaint. Pourquoi ça me dit depuis Toussaint? C'est parce que Koutiba nous partit sur Toussaint. C'est que même quand Toussaint, nos espèces de... T'étais langue avec anglais, yo. La supporter esclave en bas. Mais Toussaint est vrai, mon. Mais Toussaint en bas, t'es vrai, mon Jamaïque. Pour t'aider, monsieur esclave et jamaïcain, pour yon fongeant. Bon, les Anglais les ont capturés, gagnon qui était mouru sous la torture, si je me rappelle bien, et puis mon l'autre qui était parlé sous la torture, il dit oui, c'est tout ça que vous voulez pour faire ceci, pour faire cela. Mais tout ça nié, évidemment. Oui. Mais cette politique, pour employer un langage contemporain, d'exportation de la révolution, c'est comment ça? Parce que Saline poursuivre. Et Saline poursuivre. Et dans cette affaire de la conspiration d'Apunte, eh bien, pas caché d'où ça, moi-même, moi, je crois que c'est très possible que Christophe, soit haïtien, peut-être dans le nord, t'es gay, même travail là-dedans. Et il y en a bagaille. Mais maintenant, même politique, ça. Pardon, oui. Oui, je me dis, pour une bonne raison, bon bagaille, nous pas souvent. Rappeler classe là, c'est que dans le moment que Haïti a mené lutte pour le capable venir aboutir à l'indépendance, eh bien, non, quelques héros haïtiens, tant que Boukman, Macandal, Toussaint Louverture, évidemment, Dessalines, Christophe, non, ça y est connu dans toutes les îles, oui. Si bien que, il y a des gens qui ont dit, non, mon ça y est. Ça veut dire que le cas haïtien, c'est ton modèle. D'ailleurs, Nat Turner aux États-Unis, même Jean Monio supposé qu'on est, tu as suivi ce qui a passé en Haïti. Pour capable révolter tout et puisqu'on se dit li, c'est politique. Alors la politique étrangère d'un pays est toujours la projection de sa politique nationale. Eh bien, les deux nous dans le SAO, les Toussaint Louverture, se dit des Salines, Christophe, ils comprennent que pour aider politique nationale, il faut qu'ils aient influence quelconque dans politique étrangère et ça fait qu'ils prennent intérêt national, ils projettent le tout sous scène internationale là. Exactement, parce que je t'ai dit tout à l'heure,
Mais ce qui est conscience dans ma gueule, c'est que Haïti sont cible. Même si autant de l'Angleterre, les États-Unis ont une relation commerciale avec nous, mais sont mauvais exemples. Donc, il y a besoin de desserrer les taux. Il y a besoin de sortir dans la Fédé à Batifaux, mettre sous pied des guerres tout le temps. Il y a besoin que si peu de ressources que le pays a gagné pour la faire le bagage. Donc, pour ça, comme aurait dit Che Guevara dans les années 60, il faut créer plusieurs Vietnam. Il n'y a pas besoin de gasser de pompiers pour épuiser un tour du feu. Voilà. C'est à peu près ça. Maintenant, tout ça a commencé, Dessalines a continué, de ce point de vue-là. Et bon, maintenant, l'équipe mène politique, ça, en quelque sorte, qui est plus connu, c'est la politique de Pétion. Pétion lui-même, toujours pour desserrer les traitements, bon, toujours des relations avec les Anglais, les Américains, etc. Mais pour desserrer les traitements, M. Pral essayait, dans la mesure du possible, faire flèche de tout bois. Qui s'appelle Tion Bois le fait? Nous voyons par quelques exemples. Par exemple, d'abord, vous gagnez dans la même année 1816, là, qui est une année, on pourrait dire, on dirait révolutionnaire. Parce qu'en 1816, il y a deux mondes qui pourraient arriver et pour que Pétion pourrait l'aider. Vous pourrez gagner Mina, qui était venu pour chercher aide pour la délivrer le Mexique. Et puis, on va le gagner, le plus connu, qui va le venir pour délivrer tous ces pays-là qu'on appelait la Grande Colombie, Colombie, Venezuela, Pérou, Équateur, et puis Bolivie après. Nous connaissons qui Jean, Bagay Sao passé. Mina a échoué. Il est débarqué au Mexique, c'est vrai, il est venu là, Port-au-Prince, Pétion, bal bateau, il bal monde, il bal sam, bal corbe, etc. Aïssal Goumavel, gagne 5 mouvements pour le Mexique, en parenthèse. Pour la liberté du Mexique. Ça veut dire que nous devons être soldats, pays nous, al Goumé Mexique, pour libérer Mexique. Oui. Avec Mina. Dont il virgule non, là-dedans. À peu près combien de pays comme ça? Quelques milliers. Quelques milliers. Pas mal. Quelques milliers. Mina, t'es venu à Mounpal, Pétionbal plus Moun. Et bon, c'est des problèmes bateau, puis tu en bats le bateau. Enfin, même à Bolivar, là, pratiquement, Bolivar, c'était encore plus. Et pratiquement, il y a un historien haïtien, qui est le Placide David, qui dit que, d'après information, à un certain moment, on dirait que le même soir, il y a eu au palais de Port-au-Prince, chez Pétion, une rencontre historique. La rencontre historique, c'est quoi? C'est que, en bas, même galerie, où t'es gagné Pétion, où t'es gagné Mina, où t'es gagné Bolivar, et pour t'es gagné, il y a un révolutionnaire français qui t'est pris asile en Haïti, Biovarène. Alors, Placide David, donc, très belle page, je dis, oui, imaginez, jour soir, ça, Haïti, c'est le centre de la révolution mondiale. Parce que, il y a un nègre qui a été appelé pour la. Gros causé, belle période, oui. C'est gros causé. Ça veut dire que, ou qu'on est là, que le président il s'est parlé de pour la libérer le Mexique, ou qu'on l'autre n'est qu'elle parlait de pour la libérer le Venezuela, la Colombie, le Pérou, l'Équateur et la Bolivie, et pour Gambio Varenne, comme n'est qui a expérience la Révolution française, qui a pas un conseil, se dit, mais, bah, ça, c'est gros bagage, c'est gros causé pour petit pays dans Haïti. Or, c'est la poursuite de la politique de l'ouverture, d'exportation de la révolution, de l'ouverture. Et de Dessalines en particulier. Et de Dessalines tout bon. C'est même malheur. Mais maintenant, également, Pétion, même Jacques-Christophe, sentit que nous voulons ou pas voulons, on ne nous pas l'obliger. Par la France. Fonti Copé, vous permettez, M. Soukar. Ou pas le dire, vis-à-vis de la France, qui sa politique Christophe Tey, qui lecture li de la France et qui sa le doué fait que la France poule pas? Parce qu'on dit, Christophe, et depuis monsieur adolescent, on est qui connaît l'argent, qui fait business aux États-Unis, qui gagne mind dollar. Il connaît la France, tous ses business dans vie fait, ça, s'il t'intéresse à Saint-Domingue, c'est parce que Saint-Domingue te connaît dès le construit richesse li. Aidez-nous comprendre
qui politique étrangère Christophe Wall mette vis-à-vis de la France, n'a pas le comparer à politique étrangère que Pétion pour le mettre vis-à-vis de la France. Aidez-nous comprendre deux, monsieur Sayo. Bon, maintenant, même quand Christophe connaît que tôt ou tard feront pas les fêtes, mais Christophe ne fait aucun geste et pas fait pas. Parce que monsieur apprenne plutôt que c'est Français ou qui ouvrait. Mais cependant, lorsque vous voyez l'émission Franco de Medina, il y a des gens qui reprochent Christophe, monsieur traité Franco de Medina, j'en traité là. C'est parce que les gens ne savent pas qui était ce Franco de Medina. Ce Franco de Medina était un voyou, un racketeur, un escroc. C'est là pour ouais, que monsieur français ou pas, monsieur gouvernement français ou pas de aucune information. Vous déchirez un volant, un vacabond, comme Franco de Medina, où vous parlez, où vous parlez à Haïtien, et vous pensez que vous ne connaissez pas qui ça est. C'est ton vacabond, il y a des gueules. Donc, là, Christophe, ouais, c'est monsieur. Il a pris ça comme une insulte, ce qui était vrai. Il fait juger, il fait tirer. C'est un mal propre comme ça. Un vacabond mal propre comme ça, pour vous ne pas la coin. Christophe fait arrêter monsieur, humilier le comme vacabond. Fait même si t'as de la ferrière, vous croyez bien que monsieur était mort là-dedans. Oui. Bon, faut-il, on connaît de temps en temps. Même si on a fait histoire, Michel, et vous connaissez même pas dans King Wash, dans Bouchot, vous avez toujours dit. Le Américain ou bien Français a voué diplomate en Haïti. Ce n'est pas les meilleurs que j'aime voué tout, non? Ah. Ou d'accord. Bon, ça même son tristesse. Mm-hmm. Son tristesse n'a pas retourné. Mais ça, c'est important. Donc, ça veut dire que politique n'a pas jamais changé. Il ne nous envoie jamais les meilleurs. C'est toujours les cons. On nous garde. Maintenant, Pétion. Maintenant, dans le cas de Pétion, je voué mon bon côté, monsieur. Monsieur était fixé en condition. Monsieur dit, il n'y a pas de problème pour me parler avec nous, non. Mais tout pas la fête en public. Mm-hmm. En public. Je ne vais pas recevoir personne dans notre 4 murs. C'est pour nous d'accord pour nous parler devant le peuple pour nous dire ça. Mm-hmm. Parce que l'électeur, mais pour indépendance avec nous, c'est pour nous donner ça. Il ne faut pas le mettre au courant. Mm-hmm. Monsieur dit, et deuxièmement, Gombaga qui n'est pas négociable. Pour nous connaître ça, quel que soit Sana Pofria, l'indépendance est un fait, point final. Mm-hmm. Donc, ce qui veut dire que les vraies négociations ont commencé avec Pétion. Bon. Et maintenant, on remarque qu'un émissaire français pourra le faire. Le monsieur pourra le rapporter, Jean Pétion par la velle. Monsieur homme d'État français pourra le dire, oh, avec ça, monsieur, information, papa. Il voit la politique française beaucoup mieux que nous. Est-ce que c'est distance ça qui permet de dire, well, ou bien, vous dites, monsieur, pas toute information ça. Qui s'appelle donc, si il faut dire. Non, monsieur Pral dit, monsieur émissaire français, il faut négocier avec peuple haïtien parce qu'il ne pas négocier. Ou pas capable de débarquer là. Parce que, mais tapez, mais situation la France. Donc là, n'est-ce qu'il faut rapport. Mais c'est un politique français que le pouvoir va le dire. Oh, comment est-ce que monsieur a information? Ça le dit à vrai. Il voit la France mieux que nous, de distance que tu es lié à. Ça nous permet de voir une chose, c'est que monsieur Saoté connaît que l'information est à la base de toute action. L'information, c'est pouvoir. Ou pas fait l'État sans pas gagner réseau d'information. Ça, son pitié. Son pitié. Oui. Et que le Toussaint, que le Dessaline, que le Pétion, que le Christophe, n'est que de mettre cop dehors pour ça. Fonti Campé, juste pour me passer un petit mot, parce qu'on connaît, ou t'es vivant à l'étranger, tout, moi-même m'établis ici, moi régulièrement, regarde, ça qui a passé dans le consulat, nous, ça qui a passé dans la relation, dans mission étrangère, nous, on n'y a pas connu que, ça ne relève les missions étrangères, c'est souvent des sources de renseignement pour le pays. Ou lo gen des moun k ap travay nan consulat, k ap travay nan ambassade et puis ki pa konnen on merde nan politique étrangère, ki pa même konnen ki sa fè la parce que c'est ti député k place fanm yo la, c'est ministre ki passe fanm yo. Donc c'est pas étonnant que nou pa gen renseignement d'autant que dirijan nou yo tout yo pa intéressé non plus parce que ce ne sont pas des chefs d'État à la mesure de l'ouverture de Christophe de Dessalines, ça c'est faut souligner le tout, parce que c'est pour ça mission diplomatique ou là pour bailler information à la chancellerie si chancellerie il y a. Alors il y a des petites femmes qui chitent à nos consulats
se nan iPhone yo ap jwe, se cheke ap cheke menaj yo ki te pa ou prens nan ki biznis ap regle, koman ou vle ko gen renseyman? Fòm de fè, ou mak sa pase, avanse sou ka. Bon, Jean Baladia, pou yon moun gen souci d'informasyon, se ke ou vle baton l'Etat, ou vle konson peyi. Bon, mè jè sa ou te konsyant d'une chose. Se ke fò konè sa ka pase sou san internasyonal la, pi ou konè ki jan pou yo fè pou yo difan peyi ap dirije. Pase nèg yo konè ke fwa sa, si yo pren nan kou su pren, mèm jan tou sa te pren nan kou wa, a, fwa sa ba la pral piret. Pap gen deuxième chance. Parce que, pap gen deuxième chance. Donc, ce qui fait que ces messieurs te monté yon réseau d'information pour d'abord la sécurité du pays. C'est pas faire de sécurité propre tête de gouvernement, sécurité pays, parce que sort tout le monde lié. Parce que si blanc français a foutu coup sur prendre débarquer là, tout le monde prend. Si blanc anglais a metta avec nous, mais si américain là gagne nous. Yo pa pral fè diferans entre nou amis la tansye lib nou ko lib nèg pou kote tout sain et pays avec la vie a fizé nou tout. Nou tout se nèg. Y a fizé nou tout. Donc à ce moment-là, nèg yo konnen fò nou konnen sa k ap pase. Donc ce qui fait que pendant nous connaissons ça qui a passé, hein? Donc j'en nous dis là, sur le plan international, il faut que desserrer tout. Hein? Donc c'est ça qui fait, il y a PD, on essaye de côté, on prend le Mexique, Venezuela, Colombie et Tiantillo, qui est capable de faire move pour Haïti, capable de respirer. Mais maintenant donc, malheureusement, et ni Pétion, ni Christophe. Christophe, toute belle relation, toute bonne relation avec l'Angleterre, elle compte très bien que c'est des relations d'affaires. Toute relation que Pétion a avec l'Angleterre, tout. L'Angleterre a une bonne relation, ni une ni l'autre. Ah oui, l'Angleterre a une bonne relation. Là, je joue sur les deux tableaux. Alors, ils n'ont pas toujours souligné, non, le bien fait sûr, que Pétion a une bonne relation même. Avec l'Angleterre. Parlez-nous de ça, non? Relation Pétion avec l'Angleterre. Tout pèche sa yo te gen pou relation ni avec l'Angleterre ni avec les États-Unis. Parce que depuis sous période de Saline, Pétion te gen relation avec un homme d'affaires américain qui était Jacob Lewis. Et M. Sayo te fourni en zame en pile. Mais de ce côté des Anglais, Pétion te gen de bons rapports avec un politique. Et un homme d'affaires anglais qui était Robert Sutherland. D'ailleurs, c'est Sutherland qui peut faciliter Bolivar accès à Pétion. Ah bon? Oui. Mais qui intérêt? Qui intérêt alors que un politique anglais gagne pour faciliter accès de Bolivar à Pétion quand Bolivar ses révolutions là pour le faire pour retirer esclavage dans les îles qui sous contrôle Espagne. Pablion bagaille, c'est que l'Angleterre, c'est le premier pays de tout pays ça eux qui peut entrer dans la révolution industrielle. Il n'a pas l'abolir l'esclavage. L'Angleterre déjà ouais. L'Angleterre déjà ouais que a fait comme sous point d'esclave là, ben ça pour le dépasser. C'est entré dans l'industrie. Deuxièmement, l'Angleterre, s'il flanque l'Espagne dehors en Amérique du Sud, tout pays ça pour le tourner au marché pour produire. Oui. C'est ce qui a été fait. Donc, dollar là, pas jamais loin, politique étrangère, pièce pays. L'argent pas jamais loin, l'argent pas jamais là, l'argent toujours là. L'argent toujours là. Et pour même raison que le TD de Saline Bête de la France et dehors, c'est pour même raison qu'elle va aller de Bolivar, mais t'es pas l'air. Et d'autant plus que l'Espagne est une puissance décadente. Donc, c'est marché. L'Espagne lui-même, il gaspille, toute pile là, toute pile. Et puis, l'agence a eu que colonisation était rapportée, elle n'a fait belle carrosse en or, fait château, fait ciel, etc. Tandis que la France avec l'Angleterre, avec la Hollande, ils ont même fait industrie. Donc, ce qui fait qu'ils ont vite mon degré de développement économique que l'Espagne n'a pas gagné. Donc, l'Angleterre, avec Robert Sutherland,
parce que pas oublier, le Bolivar a perdu d'abord, c'est Jamaïque là, caché. C'est pas Haïti le premier. Et qui sont îles anglais, qui sont colonies anglaises. Mm-hmm. Ils sont colonies anglaises. Qu'on a fait pendant le Jamaïque là, le gouvernement espagnol a mis l'argent d'ailleurs, agent secret, pour faire assassiner monsieur. Et puis, bon, on connaît Bolivar, c'est ton chaud lapin, c'est n'est qu'il était remis fort en pile. Mm-hmm. J'étais perdu, madame était mourue très jeune, je ne sais pas, elle était petite, elle était stérile. Et Bolivar, monsieur, elle a enfilé madame gouverneur de la Jamaïque là. Bon, il faut tuer là. Mm-hmm. Et puis, non, et ça ne peut pas le sauver, parce que Mbalba ou ça ne peut pas le passer. On est là, et un jour soir, fille a monsieur rendez-vous en côté, je dis, ah bon, m'quinte. A fait le bon. Et puis, les filles apparaissent. En fait, bon, et puis la fille apparaît, fille a dit, je vais venir pour son père. Je vais venir pour m'dou. Je vais venir pour m'dou que Marim a accepté que l'Espagne, parce que c'est pour un cop, dans mon agent espagnol, elle a accepté que l'Espagne voit un monde pour assassiner ici. Donc, par contre, soit fait, mais pas avec Jamaïque encore, parce que si on était à mourir. Donc, ouais, relation avec chaque fille a. C'est ton bon bagage, c'est ton source de renseignement pour lui. C'est souvent qu'on s'entoure dans la diplomatie. Faut dire ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les mêmes femmes enseignaient les mêmes ambassadeurs des différents pays qui poutent en guerre. Monsieur, à ce moment-là, il te dit, bon, mais... L'homme se gardait de tout côté, monsieur, c'est le côté pour la descente en Haïti. Mm-hmm. Et puis c'est contre ça, monsieur débarque au cas, et puis bon, là, tout le monde le sait. Mm-hmm. Mais c'est Robert Sutherland qui facilite monsieur et rencontre avec Pétion. Donc Pétion, tu as de bons rapports commerciaux, toujours commerciaux, ni avec les Américains, ni avec les Anglais. Mm-hmm. Avec les Américains à travers Jacob Lewis, avec les Anglais à travers Robert Sutherland. Mais maintenant, oui, une question? D'après, suggérez-nous pour nous prendre une pause tout court, parce qu'il faut un bon petit goût de l'eau. Et puis pour bon non, mais pas occupé, me fait ça de temps en temps. Ah, d'accord, mais avancez non. Sous cavalier, nous avancer. Ok. Non, pas de problème. Bon, maintenant, la grosse question internationale, qui est la question de la reconnaissance, ce n'est pas résolu. Pas du tout. Parce que ni à la mort de Christophe, mm-hmm. en 1820. Ni à la mort de Pétion. Ni à la mort, ni au suicide de Christophe en 1820. Mm-hmm. Et bien sûr, au suicide en 1820, ni à la mort de Pétion en 1818. Mm-hmm. Boyer arrive. Boyer pral gagner trois gros dossiers pour résoudre. Même en ça, il est la pacification de la Grand-Nance, la révolte de Gouman, qui est due depuis trop longtemps, on l'a résolu. Et bon, Christophe Thieu était pris en 1820, M. Pral rallier le Nord. Donc l'unification puis, du pays. Attends, et puis en 1820, et puis en 1822, on y a là, sur le plan international, Monsieur Pral fait, il l'a font seul pays. Pral gon portion de Dominicains qui pral mandé Monsieur Vini, prend portion de l'Est là, sans tirer un coup de fusil. Il a réalisé donc. Ça que l'ouverture t'es souhaité, ça que Dessalines t'es souhaité. Voilà. Il a réalisé ce que Toussaint avait déjà réalisé et il a réalisé l'objectif des Saliniens. Maintenant, c'est la mer qui est frontière. Absolument. Mais en même temps, la grande préoccupation pendant ce qui est relation commerciale anglais avec américain, même bio, la grande préoccupation, c'est la reconnaissance de l'indépendance. Et ben, ça pour le café. Et maintenant, Boyer pour le faire un coup de maître en politique internationale, c'est lorsqu'il va contacter un officier français qui s'appelait Jacques Boyer, accent aigu, qui était son homonyme, qui lui avait sauvé la vie lors des grandes répressions à ses domaines sous Leclerc et Rochambeau. Et ce Boyer-là, t'es sauvé, monsieur, la vie. J'étais toujours qu'un bébé pour Avel. Et il a appris que Jacques Boyer vivait à Saint-Pétersbourg, en Russie. D'ailleurs, la Russie a pris le premier pays qu'on va le reconnaître en 1822. Non, il n'y a pas de reconnaître, non. Il n'y a pas de reconnaître, non. Mais, Boyer prend son coup de maître. Et là, vraiment, c'est la haute politique. Même Jean Pétion de Fabolivar, Mina, même Jean Dessalines de Famiranda. Mon cher, monsieur Praldi Boyer,
ou à rentrer en communication avec le tsar, si c'est possible, le tsar Alexandre Ier de Russie, à l'époque qui était le grand potentat de l'Europe, parce que Napoléon parle encore, c'est la Sainte Alliance, la France la donne. Et Alexandre de Russie était la plus grande figure politique et militaire de l'Europe. Et puis, on a proposé, monsieur, pour la Russie et Haïti, qui ont des relations commerciales. Bon, pose une petite question. Et on a demandé, monsieur. Bon, pose une petite question pour préciser pour nous, pour l'histoire. Il me semble que dans les archives, des documents, dès 1822, sous Boyédon, nous gagnions une ambassade à Saint-Pétersbourg, donc en Russie. Vous contestez ça? Non, pas de ambassade. Non, pas de ambassade. C'est gagné, envoyé par Boyer, qui était le lit même Jacques Boyer. Mais la différence, c'est que Boyer n'a pas nous écrit ER, Boyer, M. Assez-Jacques, ça. Et donc, qui genre de relation donc, officielle? Le président haïtien. Non. Le président haïtien, Jean-Pierre Boyer, demande aux Français, les révolutionnaires, Jacques Boyer, du accent aigu, qui t'a vive à Saint-Pétersbourg, qui t'a sauvé la vie à Saint-Domingue, entrer en contact au nom du gouvernement haïtien avec le tsar de Russie. Donc, le tétam Boyer, le français, était un émissaire de l'État. D'accord. Là, le contact là avait comme mission non seulement d'offrir à la Russie des relations commerciales pour nous vendre des denrées tropicales que la Russie a besoin. Chocolat, café, brun sucre, bagaille, etc. Mais, vu position de force, c'est la plus grande puissance de l'époque, pour le pousser français yo, à négocier à Rennes. Parce que le président Bois est clair son bagaille, c'est que Alexandre de Russie, pas capable, pas capable d'établir relation ouvertement avec nous, pas capable de reconnaître l'indépendance, non, il n'est pas passé sous tête la France pour le faire, parce que la France a allié. Mais il a fait pression pour la France. Parler avec nous. Pour que la France tourne sur table de négociation. Et il avait vu juste, c'est ce qu'il va se faire. Parce qu'Alexandre de Russie, par l'intermédiaire de son affaires étrangères, par le dit ambassadeur de France là, et à Moscou, il va le dire, attendez, nous recevons l'envoyé du président haïtien Jean-Pierre Boyer. L'offre-nous établit des relations commerciales. Les tout intérêt la Russie pour acheter dans main Haïti. Nous ne pouvons pas faire parce que nous pouvons reconnaître l'indépendance. Mais nous ne pouvons pas tenir longtemps, non? Parce que nous ne pouvons pas priver le peuple russe là, qui peut pas nous. Qui a besoin d'enrées tropicales. D'enrées haïtiennes parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter de négocier avec elles. Nous faisons un geste élégant avant. M'dou ça, m'dou Boyer voué par le président haïtien voué par la même. M'a dit que m'pas pour connaître l'indépendance, c'est tout autant que ou pas négocier avec elle pour connaître l'indépendance d'Haïti. L'offre m'vend mes cafés, sucre, cacao, coton, etc., m'intéresser à eux. Donc, fais le pas. Parle avec eux, négocie avec eux. Parce que m'pas prêt à renoncer à des accords commerciaux avec Haïti. À cause de où? Uniquement pour me faire plaisir. Donc, Fongean. À cause de où? Fongean. Donc, Fongean. Donc, à partir de ce moment-là, la France va faire lever pied. Et c'est qui va porter les Français à reprendre les négociations avec Haïti qui pourrait arriver et à l'ordonnance royale de 1825, côté la France, par le connaître l'indépendance, ça nous connaît qui a passé. Avec c'est vraiment un scandale. Après l'hypothèque à venir. Maintenant, donc, en d'autres termes, du point de vue relations internationales, Boyer était un coup de maître. Ça, c'est vraiment, il faut bien le reconnaître, malgré tous les défauts qu'il avait, du point de vue diplomatique, il y a des l'homme, j'étais fait des très bons matins. Bon, alors, c'est pas seulement Boyer qui a fait. Il y a une histoire, je dirais, peu connue, très peu connue. Et il y a deux bagages qui peuvent arriver que M. Pral fait, aussitôt que M. Gain dépendance en un poète témoignage. Il y a une action que M. Pral menait de connivence avec le président du Mexique, Vicente Guerrero, sur Cuba. Qui s'allie?
Et mon début d'action que M. Tapral menait, que M. Tapral menait tout, enfin, que tu fais avant, immédiatement après que la France était dépendue, c'est avec le président de l'Argentine, qui était le Bernardo Rivadavia. Là, nous sommes en période 1826-1827. Et quand l'autre bail que M. Pral fait tout, M. Pral très vexé du comportement de Bolivar, n'a fait pas un congrès Panama. Qui ne peut pas reconnaître nous, qui ne peut pas même inviter nous. Mm-hmm. Ah, bagay ça, bon, il Pral frappe pied. M. Pral est. Oui. Et donc, on émissaire haïtien, et Ravine Cholat, M. Pral. Débarquer l'autre bois avec l'ordre de Boyer et dire à Bolivar que comportement ça nous pas admettre. Parce que sous son jeu, ça pétion fait pour vous. Vous ne pouvez pas chita pour faire rester avec Amérique. Parce que si pétion t'es peur, je ne joue pas d'Amérique. Mais là encore, Bolivar, sans que je ne vais pas pardonner du tout. Mais Bolivar a l'impression États-Unis qui dit non, pas invite Haïti pour mauvais exemple, son pays de... Ah, mais ce qui est arrivé, c'est que le sénateur de Ravine Cholat, lui, Bogota, c'était là, mais on connaît à l'époque, les moyens de communication sont difficiles. Bolivar n'était pas là. Bolivar était en inspection très, 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 très loin. Il a rencontré un bonhomme qui était un des seconds de Bolivar, un homme bourré de préjugés, raciste, un certain Santander, qui était venu président en Colombie. En tout cas, ce n'est pas sous Bolivar que de Ravine Cholat frappé, mais c'est sous monsieur. Il est jeune. Donc, il dit monsieur, il rappelait monsieur, tout ça pétion était fait. L'argent dépensé, Zam Gibay, Moun qui mourit, Aïssé Gény. En monnaie de singe. Et puis, il dit, monsieur le président Boye, il dit que ce n'est pas gagné qui a Haïti te gagné pour le débat. C'est ton sacrifice qui te fait. Nous te croyons dans l'idéal. C'est pas bon, c'est bon. Michel, on nous retourne. À ce moment-là, Boye, Boye qui était besoin comme Metsolito, parce que il était du babo ici. Il dit, exigé. Pour nous rembourser, nous sommes débat. Bien sûr. Donc, à ce moment-là, Bolivar qui vient apprendre ça, il a été très honteux. Bon, monsieur fait un chèque sur la Banque de Londres. Et puis c'est comme ça que, bon, vous allez toucher comme là. Maintenant, deuxième bagarre que M. Pral fait, c'est avec l'Argentine. Son bagarre qui était un peu connu, parce que tu as un président argentin à l'époque qui était le Bernardo Rivadavia, qui n'a pas concevoir les relations internationales au niveau de l'Amérique latine, même Jean-Bolivar était. Ouais. Bolivar était dit Rivadavia, moi-même, ça me voit, on prend congrès, on prend unité. De tous les pays, etc. Pour nous, on sort, des États-Unis d'Amérique du Sud. Même genre avec les États-Unis d'Amérique du Nord. Il va dire, monsieur, même pas quoi, bah, ça, parce que territoire trop grand. C'est pas la même géographie que le Nord. Il y a trop de peuples différents. Plutôt, chaque pays était indépendant, mais puis nous avons de très bonnes relations. Mais fait fonceur, là, ça va. Et puis, il va dire, mais entre autres, nous avons un problème pour résoudre. C'est le problème Haïti. Problème, non, mais qui j'aime moins pour nous résoudre. Il faut aider pays ça parce que nous pas qu'à quitter le poucol pour la France comprendre les camagel. Pour l'Europe comprendre les camagel. Il faut nous faire une grande réunion. Côté Abgela dans les États-Unis, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, les puissants de la zone pour définitivement nous dire pas moyen Haïti. Point final. Nous pas qu'à admettre ça parce que si nous quittons, il y a moyen de mes nous après. Donc, Rivadavia a gagné un comportement et a fait Haïti comme ça. Mais malheureusement, il ne va pas rester trop longtemps au pouvoir. Mais c'est un bel cadre quand même que Boyer a commencé à jouer. Toujours dans le cadre de desserrer les trains. On nous parler de desserrer les trains. Mais le troisième, l'autre cadre, tout. Ou mettre une parler de troisième, l'autre cadre, tout. Troisième, non, maintenant, c'est avec le président mexicain. Monsieur Vicente Guerrero, monsieur Sonnet qui était participé dans la guerre de l'indépendance du Mexique, monsieur Vine président, monsieur Pral fait une entente secrète avec Boyer, mais vraiment secrète. À Cuba,
à l'époque, tes consos étaient secrètes qui t'a travaillé pour l'indépendance de Cuba, de Terrelé, à qui la nègre? C'est ça, l'aigle noir. Il a travaillé pour l'indépendance de Cuba. Et à ce moment-là, Guéo, gros agent secret Cuba, capé des nègres, et Guéo, voyons agent secret en Haïti, tout beaucoup de président. Pour le dire, monsieur, il faut mettre nous ensemble pour flotter l'Espagne de Cuba. Parce que pas oublier, l'Espagne, ça, c'est une puissance colonisatrice. L'Espagne était colonisée bon, ici à tout, donc c'est un ennemi commun. Vous avez accepté pour gérer. Nous commençons à collaborer ensemble. Mettez mon ensemble, mettez comme ensemble, mettez moi ensemble pour aider monsieur Cuba. Yo. Mais ça qui vient de passer, c'est que ce n'est pas bien sûr seulement que service de renseignement, américain et service de renseignement, tout. Et américain dirigé à l'époque, américain dirigé à l'époque par un super réactionnaire qui est Andrew Jackson, grand massacre d'Indiens que Donald Trump admire en pile. Andrew Jackson pas d'accord du tout en projet comme ça pour foutre l'Espagne. Donc pourquoi on a adopté de Monroe? Alors on a adopté Monroe avant passé, la lettre. Donc, ça qui va le passer, Andrew Jackson va le fomenter un mouvement au Mexique. Parce que, monsieur, ouais, que dans toutes les guerres, il y a ces guerres qui sont fragiles. Donc, ça qui va le passer, guerres à lui-même, il y a des gens qui ont dit, mais pour qui ça, on est comme ça, à le métaboyer, pour jeter au président haïtien, République nègre, pour mettre l'Espagne. Mais, parce que Guéo lui-même était un nègre. Guéo est le fils d'un Mexicain d'origine africaine et d'une femme aztèque. Donc, pratiquement, M. Bagin semblant. Donc, là, M. Abgadi, ça a passé Cuba. C'est même l'Espagne, ça, que le gouvernement au foot de la coup de fusil. Et hein? Aussi, mon qui a aidé l'entreprise comme ça, c'est Haïti. Donc, il faut beaucoup de bois. Bois est d'accord. Bois dit OK. À faire l'ensemble. N'a pas de messieurs cubains. Américain qui est au courant, Américain dit, alliance à café là, là, capable. Et pas oublier tout, il y en a pas que mon pas connaît de Guéo, c'est que c'est lui, non seulement qui a lutté pour l'indépendance de son pays, le Mexique, enfin, l'un des lutteurs, mais jusqu'à ce que M. Rivet, président du Mexique, l'esclavage peut exister au Mexique. C'est M. Caboli, l'esclavage au Mexique. D'où son intérêt pour Haïti. Mettre l'espadeur à Cuba avec l'aide d'Haïti. De mettre l'espadeur à Cuba comme bus esclavage et son intérêt pour Haïti aussi. Il faut qu'il ait aboli l'esclavage. Bon, faut-il tourner sous. Parce que Abri une bagaille. Et on prend le voie beaucoup de bois en 1826-1827. Mais c'est bois, là, il prend la République dominicaine. Après Toussaint, qui abolit l'esclavage encore une fois en République dominicaine. Donc, il y a une base de politique internationale anti-esclavagiste. Commune. On nous retourne sous Boye. C'est important parce que c'est histoire d'affaire et ou même c'est la référence pour Bagay Silayo. Le Boye passé par son homonyme Boye avec un accent aigu pour demander aux tsars russes pour le parler avec la France pour tourner sous table négociation avec Haïti en vue de. Travail à reconnaître l'indépendance d'Haïti, nous connaissons comment ça pourrait lier, et on pourrait l'imposer nous 150 millions de francs. Comment qualifier ça? Est-ce que moi, est obligé à accepter ça? Je pose une question. Ça me va faire un anachronisme. Si nous mettons Dessalines dans place Boyer, si nous mettons Christophe dans place Boyer, si nous mettons Pétion dans place Boyer, tout connaissons Jean-Pierre Boyer succédé à Pétion. Est-ce que Nexayo pas t'en foutre fâché. Comment faire Boye accepter ça? Même si, parce que même s'il va le réduire à 60 millions de francs, mais nous allons le payer 5 fois plus cher. Son dette nous fait payer jusqu'au 20e siècle. Est-ce que Boye est obligé? Parle avec nous, Soukar. Non, il n'est pas obligé. Sacrivé, c'est exactement sa pétion de Dien Ginac avant de mourir. Il était Dien Ginac pas jamais quitté Jean-Pierre Boyer, rivé président d'Haïti. La travail pour ça, mais pas quitté.
même des petit on te gen droit nommer son successeur pour ça pas pour ça pas t'éviter nommer non voyez. Non Petio vient perdre contrôle bagarre là mon cher Petio mm-hmm. perdre contrôle bagarre là Petio vient malade mm-hmm. on y a là c'est madame Petio ouais. qui était femme boyer déjà oui bien sûr mm-hmm. qui pourra le mener boyer au pouvoir faut moun yo comprendre c'est histoire d'affaire il faut moun yo comprendre importance oui, femme gagner ça c'est important ils sont classe l'histoire oui, l'histoire là importance femme gagner ou en fin de phrase, c'est l'histoire des hommes et des femmes. Absolument. Faut moun yo konnen importance femme gagner dans relation diplomatique. Souvent, yon direction diplomatique prend parce que gon relation femme à garçon. Et donc, faut moun yo comprendre ça. Donc, puisque justement, madame Pétion était déjà ti femme à boyer, la pral facilité accession boyer au pouvoir, la pral marier avec lui d'ailleurs, et Pétion, avant de mourir, te dit arrangez-nous pour que Boyer va jamais prendre pouvoir. C'est ce que tu as dit nous là. Oui. Arrangez-nous pour Boyer, pas président. Ginac pas l'étonné parce que Ginac connaît Pétion bien Boyer depuis longtemps. Mm-hmm. Il dit, mais président, pourquoi? Il dit, parce que c'est un homme qui n'écoute que lui-même. Mm-hmm. C'est un homme présomptueux, vaniteux. Parce que il a une grande facilité d'élocution, son mm-hmm. équipe très brillant. Mm-hmm. Très intelligent, il méprise les autres, il méprise leur opinion, il méprise leur avis. Il est infatué, il n'écoute que lui-même. Et si nous quittons le président, il fera le malheur de ce pays. Uh-huh. Et c'est ça, nous. Maintenant, ouais. les uh-huh. négociations, les négociations à faire avec M. Français, délégation que Boye mettait devant, délégation française. Discussion avec Chouette. Parce que l'émissaire ici n'est pas d'accord avec la proposition française. Qu'on est là, Boye finit que depuis toute année, sa négociation a fait tout effort fait. Elle a échoué là. Monsieur Roma, ces bagailles là, il mettait le sous-dol. Et puis l'Alchita avec des diplomates français chevronnés. Jean-Baladia, qui ne sont pas nés dans la dernière pluie. Et puis, n'est-ce pas, monsieur? Et d'autant plus qu'il a commis cette erreur fatale. Lorsque monsieur dit diplomate français, bon, parlez clair, comment est-ce que vous voulez? N'est-ce pas, il dit, tant que je dis, c'est ça, je vais payer le double. N'est-ce pas, dit, oh, oh. Et puis, là, ça a frappé 150 millions. Ça a été une connerie monumentale. Ah oui, bien sûr. Mais il faut ajouter à ça, pour la vérité et pour l'histoire, bateau français. C'est dans le rade de Port-au-Prince, chargé avec gros canons oui. qui vient menacer nous tout. Faut nous oui, dire ça, oui. Oui. T'es un pile caponaille. Mounio pas de vle goumé encore en même temps tout que Mounio pas de vle que pays a al payon indépendance qui était déjà conquéri par le fer, par le feu, par le sang. Et puis Boye il trahit nous. Mais, et puis, le Boye est gardé et puis il a commis cette erreur monumentale. Parce que, en n'écoutant pas les conseils des autres, comme disait Pétion, croyant que c'était lui le plus intelligent, et puis, monsieur, elle commet bévus, elle a sorti phrase ça, pas dit phrase comme ça, à n'importe quel monde, voir des diplomates chez vous, comme ça. Et puis, surtout, l'ancien chef d'État. Et puis, on va en depuis la fin du Wall Dim, si c'est ça, m'a payé des fois plus, mais que trop content. On va en. Et puis, ça crée, là, monsieur, elle commet un deuxième erreur. Ça lié. Monsieur Alézine, oui, monsieur, pendant qu'on sait des bagailles, et même pas monsieur, non, et Blanc Français a dit, mais qu'on sait des bagailles, bon, fondamentalement, tu as l'écrit, mais cependant, quoi. Et puis monsieur dit, ah non, je ne saurais ne pas faire confiance à la parole d'un officier français. Stupidité. À qui ça va attribuer trait de caractère, sa soumission, ça, à français? À qui ça va attribuer? Ah, mais mon ami, la mentalité du colonisé. Ça veut dire la fascination pour l'ancien maître, pour le maître, mais, pour le blanc. Mais pour qui ça nous... Christophe Pagayel, Pétion Pagayel, Dessalines sûrement Pagayel, l'ouverture Pagayel. Voyez, c'est un homme qui ne sait... Voyez, ne s'est jamais battu sur le champ de bataille. Boye est ce qu'on appelle un officier administratif. Boye, c'est un qui t'a porté valise Pétion, mais après la guerre d'indépendance, Boye n'a pas fait la guerre d'indépendance. Mais qui fait guerre? C'est un qui s'est aujourd'hui là.
Mais Boye n'a pas fait la guerre. Boye, le homonyme Jacques Boye, fin sauvé, qui n'a pas tout dans la rade du Cap. C'était sur le même bateau avec Jacques Maupas. Peut-être que c'était pas le noyau, monsieur, ensemble à Maupas, toute famille. Je te guette un noyau premier, qui était le monsieur Coupé, qui était un ancien collaborateur de Toussaint Louverture. De mémoire, Maupas, c'est un signataire acte de l'indépendance, non? Non, je t'ai tué Maupas, depuis que tu es noyé, monsieur, depuis la rade du Cap. À toute famille. Et Maupas, tu es commandant port de paix. C'était l'un des officiers. C'était l'officier le plus brillant de l'armée de Toussaint. Ça veut dire que, bon, M. Patton, homme de guerre, même genre avec Dessalines, qui était conquis, qui était fait la guerre du Sud, etc. Mais du point de vue valeur militaire, du point de vue valeur intellectuelle, tout. Toi, tu es brillant. D'ailleurs, les hommes qui ont connu Maupas, Dieu ça, je dis, leur, il est là, qu'à monsieur, ou à la bibliothèque, monsieur, ou alors pas là, monsieur, vous dites, comment est-ce que ça fait? Comment faire tout le bagage ça? Et Toussaint était quoi, M. Empile? Et c'est la raison pour laquelle le Toussaint apprend lors de la guerre de 3 mois que mon père était obligé de déposer les armes après toute résistance mon père a été fait. Je me suis senti que c'est la fin. Et c'est la raison pour laquelle c'est le premier monde que Français ont tué. Je fais M. Vina, toute famille au Cap, soi-disant, le parti sur le là. Et puis au noyé, monsieur, nous rentrons dans la rade du Cap. Mon et Boye était sous bateau ça, on t'appelle noyé le tout. Et puis qui ça le fait? Est là, c'est une femme qui était sous bateau. C'est une femme qui était sous bateau. Monsieur apprend que le Jacques Boye, dont on parle, était contre monsieur, que c'est ton nègre. Qui est ton. Bon, j'ai à l'époque, il te disait, c'est ton bon blanc. C'était qu'on dit à l'époque. Livré, mon côté Jacques Boye, vint sous bateau, et puis il sauvait monsieur. On y rappelait, bon, nous. Après ça, Jacques Boye était dit, monsieur. M'sauvo, l'amorato, mais le pablio. Palflon est dans la rue au Cap, non? Attention, hein? Palflon est dans la rue au Cap, parce que n'est-ce qu'on est pour ses amis Pétion. Et c'est Pétion au du Cap qui inaugurait la guerre d'indépendance. Donc, si n'est-ce qu'on est là au Cap, il y a tout fusion. Donc, monsieur fait toute la guerre d'indépendance là, caché. Donc, c'est pas un héros de la guerre, là. Non, c'est pas un homme de champ de bataille. Pas vrai. Donc, ce qui fait que M. Pacagé même réflexe à Mounsa ou Kenabdila. Mounsa, rappelez-nous, non, madame Boye, qui était d'abord conjointe Pétion. D'abord, c'était la femme de Pétion, Joute Lachenay. Donc, c'est tombé l'adresse la CAE, d'abord, qui était avec un blanc qui était les Larac, que le défend petit avec le fin Larac. Et puis après ça, bon, Pétion vini gen base la kaye, li vini femme Pétion, et puis pendant longtemps. Et puis après ça, Pétion vini malade. Non, Pétion pas marié. Pétion pas marié. C'est ça qu'elle me dit conjoint. Non. Mais c'est Boye qui vient marié avec. Il y a des places en elle. Bon, à l'époque où on est, le mariage, c'était pas quelque chose, c'est pas ton institution. Il était très à la mode. Et puis deuxièmement, tout Pétion était conquête de caractère. Pétion dit, moi, je n'ai pas fait femme confiance jusqu'à ce que mal bon nom. Maintenant, tout le monde. Donc, c'est Joute Lachenay. Et pour les gens qui sont intéressés par ça, gagner. Donc, Joute Lachenay lui-même, le Pétion qui commence à être malade, à décliner. Boye, qui était un homme dévoué d'ambition, Boye, ouais, qui jouait politique, qui amène à Joute Lachenay. Et puis, joue ouais, que Pétion meurt, il faut assurer l'avenir. Donc, c'est comme ça que, pour se boyer. Ils font alliance politique. Ils font alliance ni du trône et du lit. Donc, Lévin, concubine boyer. Et le boyer tombé. C'est le boyer tombé, là, il est Jamaïque en exil, que boyer marie avec elle. Mais elle va mourir peu de temps après. Michel, nous font un grand pas, parce que tout ça me fait là, c'est très important, mais c'est pour t'aider nous comprendre pays nous aujourd'hui. Maintenant, l'historien, l'analyste politique, tant national qu'international en toi. Jusque-là, même si nous, les Boye, font pas qu'être bêtises, si nous retirons exception Boye en termes de bêtises, nous répétions Kimbé quand même, Christophe Kimbé, Dessalines Kimbé, Louverture Kimbé, dans le sens que c'est des hommes d'État, pour ne parler de Louverture, Dessalines, Christophe, etc.
qui là, selon vous-même, politique étrangère nous vient tellement tomber que finalement, dirigeants nous n'ont pas même fait effort de penser une politique étrangère depuis blanc américain mandon bagay yo baili sans yo pas même mandé côté intérêt PAOI. Oui. Qui ça passé? Qui là ça a commencé, Michel? Ah, ça mon frère. Mm-hmm. Bon, bon, pas oublier que vous parlez d'un moment important. Mm-hmm. Moment important, c'est lorsque, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, mm-hmm. d'abord, les chefs d'État haïtiens se rendent compte de plus en plus que le pays a une faible et que pour qu'un BO au pouvoir, il faut qu'on appuie étranger définitif. Mm-hmm. Et ça commence même avec si qui tout ça est fait. Mm-hmm. Mon cher ami, lorsque Geffroy a réprimé l'insurrection du Cap, on s'est rendu compte qu'il a réprimé grâce à l'appui de la marine militaire anglaise. Donc, depuis là, ça, il est clair pour tout le monde que désormais, bon chef d'État haïtien qui a un beau pouvoir et même gros pouvoir, il a un appui étranger puissant. Plus que jamais. Il était ça. Étranger a été guéri depuis longtemps, depuis Toussaint, Amérique mm-hmm. avec Toussaint, mm-hmm. etc. Tout ça me dit là. Oh. Mais à partir de cette période-là, étranger a fou et pillé le cause pays. Hein, bien accepté. Financièrement, économiquement, militairement, de façon même de ça profonde et définitive. Mais là, c'est surtout de 1865 jusqu'à 1911. Son prédominance au capable dit européenne. Anglais, allemand, mm-hmm. français, bon, commerce, finance, etc. Maintenant, à partir de 1911, Américain bousculé Mounzaïo, Américain vin prend place là. À partir de 1911, et profitant maintenant de la Première Guerre mondiale, il parle pas net. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est à l'Europe sans te déchirer, il y a les mains libres ici. Et puis, il va débarquer à droite, à gauche, on va prendre Haïti, et puis Dominicaine, Amérique centrale, Porto Rico, etc. Maintenant, depuis lors, nous vivons sous la domination américaine. Mm-hmm. Maintenant, et domination, ça, il parle de plus en plus, capable de dire, et accentué au fur et à mesure que l'économie mondiale a évolué et que nous-mêmes, nous pas capables. Nous pas capables de suivre. Évoluer dans qui sens? Ça veut dire, dans un premier temps, que les grands ténors de l'économie mondiale n'ont pas appliqué, soit capable de brûler les théories de John Maynard Keynes. Mm-hmm. À savoir, il y aura un problème pour l'État, qui joue un rôle protecteur, qui joue un rôle providentiel, etc. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour l'État relativement fort. Et d'autant plus que, on peut le gagner à partir de 1945, ça a brûlé la guerre froide. Mm-hmm. C'est-à-dire, on peut le gagner, il faut le bloc de l'Est et puis le bloc donc, de l'Ouest. Mm-hmm. Voilà. Donc, au besoin, État faux. État, d'abord, il faut le capable faire providence avec le peuple. Et puis, deuxièmement, tout, il faut que l'armée, il faut que la police, pour communiste, pas poison. Mm-hmm. Mais, à partir du moment maintenant que, les fondements du bloc soviétique se profilent. 91. Mm-hmm. On virage qui va le faire. Mais on peut sortir dans les théories de Keynes, on peut entrer dans Milton Friedman, on peut entrer qu'on est là dans le néolibéral. Le néolibéral a besoin qu'on est là pour gagner moins d'État, mm-hmm. pour que les Business affaires soient faites fait beaucoup mm-hmm. plus vite. Mm-hmm. Et puis qu'on est là pour venir les prédominances des grands touristes financiers, de ceci, de cela, vous comprenez? Et pour venir un affaiblissement de l'État. Donc, on est là, pas aucune résistance. Pas du tout, rien. Pas aucune résistance aux injonctions américaines. Aucune résistance. Et puis, là, ça, bon, vous arrivez dans le point. On est là, c'est gang qui a autorisation qui est pour sortir. Et c'est dans ça que je dis, un paradigme du chaos. Je dis, j'avais dit qu'on parlait de l'armée, ou parlait de la police. Mm-hmm. La police à 70% gangsterisée, ou pas de l'État, ou pas de Et ça fait attention. Politique néolibérale là. Mm-hmm. Bien sûr, ben c'est une bague qui est maintenant là. Mm-hmm. C'est ça qui est maintenant là.
Et maintenant, tout, il faut bien comprendre le bagage, c'est que réalité, ça a fait de gang que n'a pas parlé là, des fondements de l'État. C'est très grave en Haïti. Mais ce n'est pas en Haïti seulement, non? Pour un petit peu l'Amérique centrale, Salvador, bon, pas Salvador tellement, et Honduras, et, etc., Mexique. L'on regarde déjà mafia pour un pays, ça, yo. On prend une gang, etc., la drogue, trafic d'âme. C'est, il n'y a pas d'âme, c'est vrai, mais. Il y a vini. Si ça continue, on ne va pas prendre, non? Mais Michel, but là, ça, c'est une question que je vais poser là. Nous finissons faire histoire, nous comprenons comment ça te yé, nous comprenons qui ça nous yé, li pas bon pour nous. Comment nous faisons sortir? Nous faisons une politique fiction. Nous ne sommes pas capables de changer la géographie, nous, mais nous sommes capables de réorienter la politique étrangère, nous, l'autre gens. Comment pour nous sortir dans le paradigme du chaos, ça, effondrement complet de l'État, gangstérisation des autorités établies? Comment pour nous sortir là? Bon. Tout d'abord, faut gagner un sursaut. Parce que ça m'a vivre là, pendant ma parole là, en Haïti, hein? C'est que les gens, on dirait, parce que bah, c'est ça, constaté, je souhaitais que je me trompe, il n'y a pas quoi dans le pays encore. Il n'y a pas quoi dans la tête qui est comme mon encore. Yo pa kwè ki yo ka gen destin kom sitwayen ayisyen. D'ayèr, la sitwayenté dans ce pays n'existe presque pas. Donc tout d'abord, il faut que ta reconstruit ça, hein? La sitwayenté, hein? De manière à ce que ou une nouvelle classe de moun ka fè politik lan l'autre gens et qui orientel pour gagner yon destin national. Et ça peut être fait. Et à partir de ce moment-là, on est capable de définir une politique étrangère qui est au service de préoccupation ça. On n'a pas une relation avec les États-Unis seulement, on n'a pas une relation avec l'Europe occidentale seulement. On a une relation à tout le monde, une relation à Pékin, une relation à Moscou, le bloc de Shanghai, une relation avec l'Inde. On a une relation avec tout le monde. Et puis naturellement, bon, comme tout ça nous l'avait montré, dans la mesure du possible, tu joues sur les contradictions de grande puissance pour essayer de te créer une place au soleil. C'est ça que tu as fait. Mais nous ne connaissons pas dans ça ni là. La politique, l'histoire. La politique, l'histoire, ce sont les hommes qui font. C'est le monde qui fait pays. Ce qu'il nous faut construire, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ça veut dire que, est-ce que Mounio, d'accord, pour yo construire en tant que citoyen haïtien, est-ce que vous êtes d'accord pour yo rebattre votre confiance? Est-ce que vous êtes d'accord pour yo dire que c'est pas pour rien quand même que des hommes en 1804, des hommes et des femmes ont créé ce pays? Michel Bambozo, c'est pas normal. C'est pas normal que nous ayons aujourd'hui une situation indigne de nos origines. Ah oui, ça on m'a dit le fort. Comment ouais transition, ma foi nous font des politiques parce que histoire va qu'arrêter seulement dans le passé, c'est un but pour nous comprendre, histoire politique toujours mélangée ou même sur analyste politique. Comment ouais transition ça et d'ici un an, six mois, un an, qui sont ouais dans boule cristal ou comme analyste? Ça pourra le faire. Mon cher Jean, abdi ma parole. Bah rien. Il n'y a pas plus tard qu'avant hier matin, un monde qui t'a parlé avec, qui dit, mon cher, il ne t'a parlé avec un tel là, c'est le responsable soi-disant de ce pays. Oui, bagaille, il y a les queues, ça a été compris, il pas ça, américain, pas payé. Il dit, ah bon? Américain, pas quoi? Pas payé de haut. Il dit, ah bon? Donc, ça veut dire que ces gens ont pris tout ce temps pour réaliser pour ça. Pour se mentir. Ou bien pour réaliser ça.
Ça veut dire toute expérience, toutes quatre Jovenel qui sont passés là, je me suis mouillé, il n'y a pas servi à rien. Jovenel qui est américain, qui est installé, qui est soutenu, il n'y a pas fait rien pour lui, il quitte le sous-condotant qu'on pied, on m'a go cap cherche sous pied. Pas de rien, il y a tout le bagaille, il crache sur la grande tradition diplomatique de ce pays en Europe avec le Venezuela. Et puis la fille n'a pas fait rien pour lui, ça fait mourir, j'en mourir. Il n'y a pas jamais réfléchi sur ça. Il y a tant que l'Amérique te font bagaille pour eux. Ah bon? Vraiment? Qui est venu avec Ariel? Comment Ariel a pas fini là? Ça, est-ce qu'elle peut aller? Est-ce que c'est lui qui a fait l'élection? Qui sont où? Bon, pour ça, moi d'abord, je ne sais rien à faire pour l'élection. Ou pas qu'il y a des élections dans le pays pour ces gangs qui ont contrôlé. Non, madame Lalim dit bon. Dès que madame Lalim dit bon, apaisement. Apaisement. Oui, mais madame bon. Lalim, c'est ça le dit devant peut-être, la nation. Peut-être dans la coula, peut-être dans la coula, quand même dans la Lalim. Chien pas jappé. Peut-être dans la coula, quand même dans la Lalim. Comme madame Lalim, c'est marine candidée. Je ne peux pas m'attaquer, parce que c'est les mêmes qui applaudissent. Constitution G9, tout le monde, ça. Bon. Mais, quel que soit ici, qu'on parle avec là, je ne sais pas qu'elle a besoin de causer comme ça. Qui sont pensés capables de faire? Bon, madame Lalim n'est pas une référence. Madame Lalim, d'accord. Mais puisque il a, nous ne sommes pas capables de parler de lui, c'est toujours vagabond, vous voyez, pour nous. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Nous, au mois de février, vous songez, la France commence à dire d'ici à la fin de l'année, il faudra gagner l'élection. Qui sont ouais ou même? Bah ouais, élection. À moins que, comme Mendo, vous voulez que c'est quand qu'elle député, qu'elle sénateur, qu'elle président, bon, ça a son autre affaire, ce qui ne nous étonnerait pas d'eux. Parce que ça leur convient. Parce que, oui, eux-mêmes, on a vu PAM. On a vu PAM, et pas comme tombé. Les Américains, ces derniers temps, en Haïti, ils étaient trop objectifs. Et moi, ils ont réussi là-dedans. Premièrement, c'est faire de ce pays un passage pour leur cocaïne. Deuxièmement, c'est de faire un dépotoir pour tous leurs déchets. Et troisièmement, c'est de faire une province commerciale dominicaine. Parce qu'il y a un peu d'investissement qu'a fait dans le pays dominicain, c'est un investissement américain. Maintenant, donc, pour moi-même, il a atteint tous les objectifs. Et pour ça, il faut le moins d'État possible. Il ne faut pas des hommes. Et c'est à ça que Michel Martelly, entre autres, et Jovenel Moïse, t'es servi. Bien sûr. Il ne faut pas des hommes normaux. Il ne faut pas des hommes normaux pour diriger un pays que ses objectifs sont au Canada. Parce que pas aucun monde normal, voire un monde sérieux qui peut accepter ça, pour faire ça dans le pays. Bon. Or, son politique a fait longtemps. Je me songeais en date clé pour moi. Je me songeais période, les Aristide campé dans la télévision devant tout le monde, et puis le mandon policier pour le barakoula dans mon chef camp. C'est le policier qui s'appelait Christine Jeune. Et comment chef gang l'a télé? Marco, c'était chef gang et mon gang ça a été l'encore, la Méouche. Et puis, M. Kaben a fait que tout le monde dans la télévision, il m'a dit policier a fait bah, cola dans monsieur. Le policier a dit non. Ça a arrêté de m'arrêter. Le policier a répondu au président, il a dit non, c'est arrêté la parité, il n'y a pas de la cola. Ça a arrêté de m'arrêter. Oui. Tout le monde est dans la télévision, tout le monde. Il dit non, ça a arrêté de m'arrêter. L'enfant a été, il a jugé, il a mis dans la prison. Il a payé. Il a fini payer la société. Ça vous met là, on est à oui. Mais pas. Comment ça finit? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais trois jours plus tard, il a retrouvé le cadavre policier à son pile fatra. Depuis là, ça, nous sommes en 1995. Combien de temps ça fait? Ça fait 27 ans. Le signal était clair. Le signal était clair que désormais, Haïti allait être dirigé par des réseaux criminels. Ma fond en fleur, ma fond. Gomba ga ou te dit, ou saute avant nous entre en nom, ou dit, monsieur, fise mes songes, tout ça me te dit, allons les gémis moi. Gomba ga ou te dit, mon le, dernière fois mal Haïti, nous n'ont certain hôtel dans Pétionville, pour dire, fise mes on joue. Pays sa poil tellement gangsterisé, que même pour sortir dans la rue,
c'est gang pour qui bon permission. Là, ça peut côté gang avec Matisse, 400 Marozo Noël là. Non, parce que parole m'a pas oui. Là, l'autre dit ça, ça gagne 6-7 ans. Et puis voilà que jodi a c'est dans ça nous trouver. Oui. Mm-hmm. Oui, et me répéter ça il y a 2 ans de ça dans la radio. Et m'a donc causé le chef d'État campé dans la télévision devant tout. Les mandé yon policier pour le cracher sur tout ce mal fait, d'assurer la sécurité des vies et des biens dans ce pays. Pour le bas-coller avec un chef gang, c'est la win de l'État. Mm-hmm. Mais ça pas fini, non? Regardez, oui. Yo kidnappé frère Ariel Henry. Est-ce qu'on connaît que, ou sûrement qu'on connaît, c'est Ariel Henry lui-même qui a négocié avec gang yo pour libérer frère. Oui, vous t'entendez ça? Parce qu'il n'est rien. Elle dit, yon chef de gouvernement, qu'elle rencontre, ça c'est de bonnes sources, qu'elle rencontre chef gang qui kidnappe frère, c'est lui qui négocie de personne à personne, sans le pari de criminel, yo, li paye sa boule paye, li reprend frère. Mais côté de moi, aller, hein, Michel. Parce qu'il n'y a rien du tout. Mm-hmm. Aïe, aïe. Il n'y a absolument rien. Mm-hmm. Qui ça pour nous faire là? Qui ça pour nous? qui ça pour nous? Mon ami... Ça fait 40 ans en lutte ça, ou sûrement il y a des choses qu'on a dit nous en terminant. Qui ça t'a donné fait là pour payer ça? Sauti dans la boue côté lié là, Michel Souka. Bon, m'bal mande moun yo, m'bal di moun yo bagay, yo m'bal mande m'se m'ba fou. Mm-hmm. Il faut d'abord que Haïtien t'a dit tête yo que nous pas premier peuple, nous pas seul peuple qui traversé des moments aussi cruels. Haïti je connais qui ça l'autre peuple t'a fait pour être capable de remonter par là. Et garder pour ou même dans inspiré de exemple yo qui sont qu'a fait peut-être pas. Parce que gon raisonnement pour faire mes amis. Il y a 12 millions à peu près d'Haïtiens qui vivent sur le territoire haïtien. Il y a peut-être 5 ou 6 millions qui vivent dans la diaspora. Mm-hmm. Mais 12 millions ça, même si on a frères, on a famille, amis dans la diaspora, qui a aidé au café ou vini, mais tous les 12 millions hein, pas fouti. Aller, c'est impossible. Ce qui veut dire que nous voulons, que nous ne pas voulons, nous n'avons pas obligé de faire un choix. Si on veut nous ramasser caractère pour nous dire tête nous, même gens ici, grec, tel peuple, t'es goumé pour le remonter pente là, eh bien nous-mêmes tout. Si nous ne faisons pas, eh bien pas caché de nous. C'est bon pays qui a disparu seulement. Uh-huh. Sont l'autre mot pour nous chercher. La et transition. Tout le monde qui gagne. Tout le monde qui est dans la diaspora, qui gagne famille, qui cite. Mes amis, on ne peut pas demander au monde toute la journée pour dire envoie-moi, envoie-moi. Uh-huh. C'est pas possible. Parce que ben là, c'est pas aussi douce les Canadiens. Ah non, non, il faut frire du là. Il faut frire du terrible à Montréal, quand on t'a vu. Il faut qu'on ait un coup pour ça, tout. Même quand pas que frire du là. Mais pour mon, quoi me dit envoie à moi tout le temps. C'est comme si je me disais douce, on qui est sans, on m'en dit tout le temps. Oui. Absolument. Parce que c'est sans libre pour que ça le vienne. Il y a beaucoup qui les comprennent. Non, pour nous voyager, c'est ramasser, c'est ramasser. Pas que ça, non. Et parlerons-le. D'ailleurs, ou pas blanc, ou pas ukrainien qui a pour faire barrière les poules. D'ailleurs, autant de journalistes européens, moun sa yo même yo pas sauvage, te kounda ou même avec moi là. Ah, mais yo bloc africain pour yo pas quitter Ukraine. Yo bloc africain. Pour yo quitter Ukraine, c'est parlerons-le. Yo pas la dire, parlerons-le. Moun ne pas le dou, moun sa quoi c'est. Je ne sais pas comment vous avez dit. Ça suffit. Oui, mais pas nous même encore. L'immigration maintenant, il n'est pas noir. Ce n'est pas nous, vous voulez. Michel, mes dernières questions. Il y a maintenant des journalistes français qui parlent.
Je dis au moins ces gens-là, ils nous ressemblent, ils sont comme nous, ils sont qualifiés, c'est une bonne immigration, c'est une immigration saine, ce sont des civilisés, ce sont des Européens comme nous. Mais ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte d'y qualité pour oui, ça. Oui, bien sûr, ça veut dire parler contre noirs et contre arabes, c'est ça. S'il vous plaît. Et puis, il n'y a pas les de qui peuple, il n'y a pas les de l'Irak. Absolument. Ouais, hypocrisie. Ah, bien. L'Irak, c'est un pays qui a une civilisation. Qui ont civilisation plusieurs millénaire. Fois mais plusieurs fois millénaire, hein, absolument. Plus, et Mounsaïm, d'où c'est chrétien, vous voyez? Et puis c'est en Irak qu'Abraham sorti. Ah, Ur, un caldé. Mais on va faire histoire. L'ancêtre des trois grandes religions monothéistes. Qui sorti en caldé. Ça veut dire. Qui va dans l'Irak aujourd'hui. Mounsaïm, Mando. Je me demande pourquoi dans la religion, et puis, mais il y a même des discours. Mais il n'y a pas fait histoire. On nous retourne dans le pays, nous pas occupé blanc, méchant. Transition idéale là pour vous, c'est qui ça? Nous t'en parler de Montana, de X, de Y. Dernière question, moi. Comme historien, qui connaît le pays ça bien, qui connaît les hommes de ce pays, transition idéale. On nous font y rêver. Nous, presque 2000 moun là. On nous font y rêver. Transition idéale pour vous, en tenant compte de tout problème où vous dit là, yo. L'effondrement complet de l'État, gangstérisation, moun pas respecter nous, yo détruit toute autorité pour drogue avec l'argent capable de passer. Transition idéale pour vous, Michel Souka. On dit idéal. Sous ta fait le sous papier, ou t'as dit bon, mais qui ouais, question posée là, c'est exactement question que un groupe de jeunes la semaine dernière posé dans la conférence là. Alors, on t'a posé le même genre un petit peu différent. Il est dit, qui ça pour nous t'a fait pour nous pas perdre transition ça? Qui ça nous t'a fait de bon pour que nous profiter de transition ça pour que nous capables bâtir demain meilleur? Il t'a dit, premier bagage, pas mobiliser toutes les ressources nous. J'en ai habitué à faire là, dans la contestation. Il faut nous mobiliser maximum de ressources nous dans la formation citoyenne et dans l'organisation pour l'action. Parce que si nous continuons même genre, que nous mobilisons toutes ressources, nous contester, manifester, vous ne bâtissez pas, vous ne bâtissez rien. Oui! Il faut qu'il y ait des gens qui ont critiqué, qui ont dénoncé, mais qui ont proposé tout. Mais en même temps qu'on a proposé, hein, il faut que nous concentrions sur ce qui peut garantir l'avenir. Et qui ça peut garantir l'avenir? C'est former les gens, c'est organiser. Il faut bâtir, ça a tout saint effet dans le cas espagnol là. Un instrument stratégique. Dans Capal, c'était l'armée. Dans Capal, c'était l'armée. Dans Capal, nous-mêmes, en histoire, il faut toujours faire preuve, et l'histoire montre nous ça. Mon peuple qui réussit, c'est des peuples qui toujours font preuve de créativité. Qui joue à former mon lacayou, qui joue à bâtir citoyen, qui joue à organiser tête tout, identifier un terreau pour défendre un terreau. Si nous faisons ça, nous pas perdu transition. Mais si Napchita seulement n'a fait de contester, n'a ceci, n'a goumé pour job, n'a ceci, n'a cela, nous fait carré descendre pas ça. Mais ce que je dis là, ça demande de l'énergie, ça demande du temps et ça demande de la foi. Faut une foi dans tête tout. Il faut une foi dans le peuple, il faut une foi dans le pays. Donc, pourquoi c'est comme ça, comme carré? Michel Assoua, nous siphonnons, oui. Nous, comme nous avons l'autre cause, pour t'a dit toujours, mais toute bonne chose a une fin. Mon cher, merci en pile pour disponibilité. Merci pour l'édition. Jean Baladia, c'est comme ça, nous car utile, pour nous continuer utile, mon yo. C'est comme ça nous qu'a participé dans parti. C'est comme ça nous qu'a participé dans parti citoyenneté. Dans ba moun yo
comprendre ça nous penser qui vrai parce que nous pas la vérité nous mm-hmm. pas c'est un coup là mm-hmm. nous sommes la vérité la vie ça n'est pas question mais, on va être crucifié pour ça. Oui, oui, bien sûr. On va être compilé. Qu'est-ce que la vérité? Oui, bien sûr. L'orée vient dans cette tasse là, mort lié tout droit. Oui, donc, mon cher, en parlant de. Non, non, pas tout droit. Oui. Mon cher, nous, et pour être prudent, nous ne pouvons pas choisir l'heure, nous faisons, nous ne pouvons pas choisir l'heure, nous quitter, nous tout à quitter un jour, mais nous souhaitons vivre le plus longtemps possible pour partager avec peuple, couramment pile. Toute érudition ça ou tout temps ça qu'on consacre. Mon yo doit connaître que même j'ai dit en français il n'y a pas de science infuse, c'est qu'on est qui fait pour qu'on est faut suer, faut lire. Oh non. Faut lire et nous connaît dans qui condition à lire parce que pays ça mon pas en paix là-dedans ni. Mon cher nous fier de où nous remont en pile parce que nous connaît ou remet payo. Eh bien, on nous continue à mettre tête en nous ensemble, même si vision politique n'est pas toujours d'accord. Nous voyons ça dans le chat là. Mais depuis ça, Haïti nous mettait d'abord, on a fini par entendre nous pour payer ça avancer. Parce qu'il y a un monde qui est honnête, qui a dit Jean Bagala, il est là, qu'on paye HTK, même on fait quoi, ou pas qu'à foutu, dit Jean Bagala, il est là, le bon. Il n'est pas foutu bon. Eh bien, puisque nous constatons qu'il n'est pas foutu bon, là, nous faisons poser diagnostic là, il faut nous faire prescription, et Michel Souka parlé. Faut nous l'un a contesté. Oui, contestation importante. Oui, faut nous construire tout. Maintenant, on nous construit. On nous construit un nouvel être haïtien. On nous construit une nouvelle politique étrangère qui est basée sur ça, dans cette nouvelle qu'on fait. C'est pour ça que nous faisons ça sous Pétion, sous Toussaint Louverture, sous Christophe, sous Boyer, pour nous apprendre, sous Dessalines tout, pour nous apprendre de héros, pour nous apprendre de ça et comprendre. Et on a un bagage, mais c'est que ou pas capable de gagner l'État, si ou pas gagner des hommes d'État. Parce que c'est le monde qui fait l'État. Et ou pas capable de gagner l'État, si pas gagner service de renseignement, le monde qui a réfléchi, qui a pris information et qui a basé la politique sur l'information que vous prenez. Michel, un dernier mot avant de vous aller. Nous tuons, oui, à soi. Mais entre amis, nous avons fait. Eh bien, Jean-Baladia, Jean-Baladia, ma promesse en pile, Jean, c'est de raconter par la moto. Et puis. Comme d'habitude, nous à disposition. Mais les nous les au penser que nous carit. Les au penser que nous carit. Pas hésiter, on est nous là pour ça. Merci frère homme et puis bonne soirée. N'a pas long l'autre. Merci, au revoir. Pas de problème. Kimbil. Kimbil. Bonne nuit à tout le monde. Merci, bye bye. N'a promesse Mounio qui était là jusqu'à cette présente minute, nous ouais que ou t'es là depuis le début. Encore une fois. Nous, ouais, chaque mercredi, nous portons des mondes d'horizons différents pour nous. Toujours haïtiens qui viennent réfléchir à ce problème pays. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec ça. Nous dit qui ça fait, ce n'est pas grave. Nous ne construisons pas un uniforme. Le tout le monde pense même gens ou un état totalitaire que nous parlons. Nous besoin de différents mondes et que seul point, yo, c'est Haïti pour nous construire le pays. Ça. Nous remercions parce que vous êtes là. Avant d'aller, font-il like, n'a pas invité. C'est faute. Moi, je vais inviter nous peser bouton like là. Dit qu'on aime l'émission, ça encourage nous. Et si vous avez besoin, continuez réflexion sur le pays à côté de Soti, qui ça fait arriver là. Parler des trois hold-up. Hold-up du savoir, hold-up du pouvoir, hold-up de l'avoir. Si vous avez des livres, achetez-les. Nous comptons, nous-mêmes, il y a des professeurs ici. Il commande des livres ça comme manuel à classe yo pour aider au comprendre Haïti ou bien être noir une fabrication occidentale nous parler d'Haïti nous parler d'Afrique et Michel Soukadil gros pays yo bon seule intention dans tête yo utiliser nous comme comptoir commercial yo mais faut nous une nouvelle classe d'hommes et de femmes qui dirigent pays nous qui penser politique étrangère yo au nom d'intérêt pays pa yo c'est ça tout sans l'ouverture que qu'on fait c'est ça Dessalines te kon fait, c'est ça Christophe te kon fait. C'est ça que Pétion dans limite li te fait tout et nous besoin cette nouvelle classe d'hommes et de femmes. Tout le monde qui était là nous doumes en pile, partagez live là avant quitter pesons petit like pour nous relier augmenter et bien attend nous dimanche prochain 9h et nous pour confirmer non, il se peut que vendredi encore dépendamment de Jean théâtre de la guerre là évolue en Ukraine a fait blanc cap goum entre yo. Pour nous, nous-mêmes, comme nous, comment nous devons comprendre ça et qui position nous devons adopter, il se peut que nous allons live vendredi. Nous avons beaucoup sûr. Eh bien,
Merci, passez bonne nuit. Il y a un monde qui déjà l'ennui déjà puisque a coûté nous en Europe. Achetez ti grand livre ça pour encourager mais surtout pour comprendre Haïti. Haïti miroir d'une société en décomposition avancée ici on recommençait sur site point www.jeanfissemé.com ou bien sûr amazon.ca. Merci parce que t'es là. Bonne soirée, bonne nuit et puis kembe fem, kembe moral nous parce que tout en moral nous bon gavenir. Allez, au revoir. Bye.